appreciate everyone. Merci tout le monde. Visitors. Les visiteurs. The brother who told me that was coming. Le frère qui m'a appelé qu'il était en train de venir. There was a brother John. Luc. Jean-Luc. I don't know if he arrived here. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Yeah. And okay. So we thank the Lord. Alors, nous remercions le Seigneur. We appreciate you all. Et nous vous apprécions tous. I believe that we must sometimes do a thanksgiving. Je pense que quelque part nous devons faire l'action des grâces. Because we have seen that God has been good to us. Parce que nous avons vu que Dieu a été bon pour nous. They said they did whatever it was did. And they call it they giving demons names. On donne à des démons des noms, on appelle cela. This one was Delta. Delta. Name of a demon. Le nom d'un démon. But Delta was not close your house. Mais Delta n'était pas proche de votre maison. Thank Jesus for that. Amen. Delta went there. Went to where Delta was supposed to go. Now they are talking about Gamma. I don't know. They parle de Gamma. On ne sait pas. Amen. Amen. But we have the Alpha and the Omega. Nous avons l'Alpha et l'Omega. Then we have all those Delta alphabet, but we have the beginner and the end. Nous avons le commencement et la fin. Jesus Christ is the author and the finisher of life. Et l'auteur et le consommateur de la vie. And our prophet told us that. Notre prophète nous a dit que. Nothing happens to the believer until God says. Rien n'arrive au croyant jusqu'à ce que Dieu le décide. So until God decides, we are here. Alors jusqu'à ce que Dieu décidera, nous sommes encore les siens. Amen. Yeah, we do what they ask us to do. We put some masks. Nous faisons ce qu'ils nous demandent de faire. It is not really that. Ce n'est pas vraiment cela. It is God. C'est Dieu. Amen. So we thank Him. Alors nous le remercions. We praise His holy name. Nous louons son Saint-Nom. I would like us to rise. J'aimerais que nous nous levions. Reading our Bible. Lisons nos Bibles. Might be a bit tough today. Ça pourrait peut-être être un peu dur aujourd'hui. Like it when it's tough. Et bien cela commence, c'est dur. Yes. Amen. Because I continue on the same place I left. Je vais continuer là où je m'étais arrêté. But moving into something else. Mais en avançant dans quelque chose d'autre. Let us take the book of 2 Corinthians chapter 9. Prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also. S'assurer, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Every man according as he purposed in his heart. So let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth cheerful giver. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. And God is able to make all grace abound toward you. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. That you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. As it is written, he hath despised abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Now he that ministered seed to the sower, both ministered bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture
vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Being enriched in everything to all beautifulness which goes through us thanksgiving to God. Vous serez de la sorte enrichi à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par votre notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. For the administration of this service not only supplied the want of the saint, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. As by experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all men. En considérant de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Let us close our eyes and say a word of prayer. Once more, Lord, I come myself and the entire congregation to stand before your throne of mercy. Lord, we are unworthy, but you are worthy. No one of us can stand in your righteousness and claim something, Lord. But we only come through grace covered by the blood of Jesus Christ, because that is the only way that is provided for us this morning. I pray, Lord, that you may come and remove our sins and iniquity. You may throw them in the sea of forgetfulness. You may remove a guilt, O my King of Father, of conscience. You may purify our soul, O Lord, and bring them, O my King of Father, into a true relationship with you, Lord, by your word. May you, O my King of Father, take in consideration our need and our desire this morning, Lord, because we don't have anyone else, O Lord, who can help us. Our only hope is you, Jesus Christ. Take, O my King of Father, every soul that is crying and yearning for you, Lord. Those who are in need of deliverance, O my King of Father, may you break, O Lord, all kind of my King of Father, of curse and bondage, O my King, be it hereditary, from generational curses, from family, O my King of Father, anything that is holding your children, O my King of Father, to enjoy the blessing of redemption, break it in the name of Jesus Christ and release them, O my Lord, so that they may enjoy the freedom that we have received through Christ Jesus, Lord. As you promised in your Bible, you said the blood of Jesus Christ will never lose its power, Lord, until all the elect of God come to perfection. I believe, O my King of Father, you who call us, O my King of Father, you never let us perish, but you have a plan, O my King, you fulfill it in our life, Lord. Take us, O my King, O Lord, to the stage of a perfect man, until, O Lord, we all come to adoption of sons, where we are placed positionally, O Lord, in our inheritance. And give us, O my King of Father, clear understanding and clear vision, O my King of Father, of what Jesus Christ is doing now and what is his program in our life, Lord. May you come, O my King, take preeminence and oversight as we condemn every spirit in this place that is not confessing Jesus Christ to be the supreme King, O my King. We send it out of this old place in the dry land as, O Lord, we, O my King of Father, surrender the pulpit and everybody here under, O Lord, the guidance and the leadership of the singular spirit of the Lord Jesus Christ as we pray. Amen. 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 And God bless you. Be seated. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. This microphone bank just come from lockdown, so you must not lock me down. Amen. So, you see, I thank the Lord. Oui, je remercie le Seigneur. Personally, because, yeah, things are fine. Personally, parce que les choses sont bonnes. Amen. Amen. They seem fine. Je greet you all. I see you. Je salue tous si je vois. I was seeing you somewhere there. Le prochain meeting quelque part là. I was supposed to meet you. So I'm talking about money. Alors je vais parler sur l'argent. Money. L'argent. Amen. Amen. To be serious business. Une affaire sérieuse. Amen. Amen. Yeah, it will be. Ça sera. Serious business. Une affaire sérieuse ici. Money. L'argent. Before we go there, I want to go back to recall. We were talking about breaking the curses. Avant d'aller là-bas, j'aimerais revenir en arrière pour rappeler
Nous étions en train de parler sur briser les malédictions. Removing the obstacles. Enlever les obstacles. Because we realize as pastors and leaders. Parce que nous avons réalisé en tant que pasteur et conducteur. That there is things may sometimes in the life of people that hold them and keep them away from enjoying the blessings of God. Il y a des choses dans la vie de peuple qui les retiennent pour de se réjouir les bénédictions de Dieu. And we thought that it was better maybe to visit our life, our past. Nous avons pensé que c'était mieux de visiter nos vies, nos passés. And to see if there is anything that will undergo to operate fully in our life. Et de voir s'il y a quelque chose qui empêche Dieu de travailler pleinement dans nos vies. And we came, the last meeting we had, we were speaking about that operation. Et la dernière réunion que nous avions, nous étions en train de parler sur cette opération. We were supposed to do it a certain way. On devait le faire d'une certaine manière. But the month that passed, mais le mois qui est passé, I find some other element that I must add to that. J'ai trouvé d'autres éléments qui généraient, je dois ajouter à cela. Because I realized that in every church, parce que j'ai réalisé que dans toute église, in every gathering, dans chaque rassemblement, we have different kind of people. Nous avons des personnes différentes. And as we are talking for money, alors pendant que nous allons parler sur l'argent, somebody, I'm not preaching a prosperity gospel. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. But I'm talking about money. Mais je veux parler sur l'argent. Because money is important. Parce que l'argent est important. Amen. Your attitude toward money. Votre attitude à l'égard de l'argent. What material things. À l'égard des choses matérielles. Is connected to your inheritance of spiritual things. Est connecté à votre héritage des choses spirituelles. Jesus himself said, Jésus lui-même a dit, if you've never been faithful in little things, si vous n'avez jamais été fidèle dans les petites choses, God will never give you big things. Dieu ne vous donnera pas les grandes choses. Amen. Amen. God will never give you big things. Dieu ne vous donnera pas les grandes choses. And when I was reading William Branham, pendant que je lisais William Branham, William Branham, the last time I preached on a certain Wednesday, William Branham, la dernière fois, un certain mercredi, j'avais prêché sur in the message supernatural, dans le message du surnaturel, he said the greatest problem that we have, il dit le plus grand problème que nous avons, is to change the mind of men, c'est de changer la pensée de l'homme. Amen. Because our problem mostly is our attitude to what God said. Parce que la plupart des temps, nos problèmes, c'est l'attitude à l'égard de ce que Dieu dit. Information, l'information, does not bring transformation. N'apporte pas la transformation. Preaching in itself, prêcher en soi, will not bring anything. N'apportera rien. But until you are convinced, mais jusqu'à ce que vous êtes convaincu, because this Bible is the reason. Parce que cette Bible est, yeah, it's the word, the letter. C'est la parole, la lettre. Ah, the rima, that they call it in Greek. C'est le rima en grec. But the rima in itself, mais le rima en soi, le rima, it doesn't bring nothing. N'apporte rien. It is just information. C'est juste l'information. But it takes the logos, the spirit on the rima, to bring the transformation. La transformation. When you are renewed in your mind, renouvelé dans votre because the greatest enemy we have, le plus grand ennemi que nous avons, it is our own self. C'est nous-mêmes. Our self-will. Notre propre volonté. Our own mind. Say amen. Amen. I preached one time here. Une fois ici, j'avais prêché. About the long road. Sur le chemin long. Showing you that Israel, vous montrant que Israël, they were in bondage, étaient en servitude, and when they were in bondage, pendant qu'ils étaient en servitude, they were working for Egyptians. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Like we are working here, comme nous travaillons ici. Taskmasters, maître de corvée. Amen. So amen. You must follow me carefully because sometimes I speak to you, but I speak like parables. They were working in Egyptian industry. Ils travaillaient dans l'industrie égyptienne. In companies, dans les entreprises. And they were making bricks. Ils faisaient des briques all the time. À chaque fois, until God came, jusqu'à ce que Dieu est descendu, and God made a miracle. Et Dieu a fait un miracle. Miracle, le miracle, doesn't change people. Ne change pas le peuple. Amen. Amen. God can make miracle, but you still stay an unbeliever. Dieu peut faire un miracle, mais continue à rester. William Branham in his meeting, there were so many miracles. William Branham s'est réveillé avec people testifying of what they saw, des gens qui but ont they never believe his message. Mais ils n'avaient jamais cru son message. Amen. Amen. It is not miracle that will make you believe. Ce ne sont pas les miracles qui vous feront croire.
That's why Brother Branham said in this message, c'est pourquoi Brother Branham dit dans ce message, Laodicean Church Age, là qu'il dit de Laodicea, he said, repent. Il dit repentez-vous. He said, what? Repent. Il dit repentir de quoi? There was no other way to go back to God. Il dit il n'y avait pas aucun. And there is no other way now. Et maintenant il n'y a pas de. It is repent. C'est la repentance. Change your mind. Changez votre esprit. Say amen. You see, Brother Branham say repentance is the change of your mind. Vous voyez, Brother Branham dit que la repentance. The renewing of your mind. Le renouvellement de votre esprit. Because most of our problem is the attitude. We have toward the promises of God, toward what God requires of us. Mostly when the word of God starts demanding things in your life, amen. It is easy to say amen, to say I believe. But when God making further demands, people they are not ready to accept. Les gens ne sont pas prêts à accepter. Although they are members of the church, ils sont membres de l'église. They sit in the message church, ils s'assoient dans l'église, but they are not ready to accept. Mais ils ne sont pas prêts à accepter. What the word asks them to do. Ce que la parole leur demande de faire. Amen. Amen. And the only way la seule façon for you to be transformed under the message. Pour que vous soyez transformés. It is when you become obedient to what the word has said. The message is not only information, but you are convicted. Vous êtes converti, convicted, and when you are convicted, then it brings transformation. Alors ça apporte la transformation. Amen. Amen. It brings a transformation. Ça apporte la transformation. These Jewish people, ces Juifs, they received miracles. Avaient reçu des miracles. Big miracles. Des grands miracles. I never seen anybody receive miracles like them. Je n'ai jamais vu des gens qui ont reçu des miracles comme eux. But God is saying in the book of Exodus, mais Dieu dit dans le livre d'Exode, I will destroy them. Je les détruirai. Yes. Because, parce que, their mind, leur esprit, amen. Yes. Amen. Their problem was their self. Leur problème était eux-mêmes. It was easy for God to destroy Pharaoh for them. C'était facile pour Dieu de détruire Pharaon pour eux. But it was not easy for God to change them. Mais c'était pas facile pour Dieu de les changer. They were too much into slavery. Ils étaient tellement dans la servitude. It became a way of life. C'est devenu une façon de vivre. Adopted oppression. Ils ont adopté l'oppression. They feel good in oppression. Ils se sentaient bien dans l'oppression. They could even tell Moses. Ils pouvaient même dire à Moïse. Did we not tell you? Nous t'avons pas dit. Not to pressurize us to go. De ne pas nous presser à partir. Because we wanted to be in Egypt. Parce qu'on voulait être en Égypte. We brought us out. Tu nous as fait sortir. You bring us here. Tu nous as amené ici. To die in this wilderness. Pour mourir dans ce désert. Were there no tombs in Egypt? Il n'y avait-il pas des tombes en Égypte? Us to die there. Alléluia. You the pastor. Vous le pasteur. You brought us here. Vous nous amenez ici. It's you who preached us here. C'est vous qui nous avez prêché cette chose. You bring us to this situation. Vous nous amenez dans cette situation. You were supposed to leave us there. Il était nous laisser là-bas. Alléluia. Alléluia. And Brother Branham said, et Frère Branham dit, the way from Egypt to the promised land, la voie de l'Égypte à la terre promise, was almost how many? Était presque 3 jours. Amen. But they make 40 years. Mais ils ont fait 40 ans. Why? Pourquoi? Read the Bible. Disait la Bible. It says because. Il est dit, God didn't want to take them through that way of 3 days. Dieu ne voulait pas les amener dans cette voie de quoi? Because it was the land of Philistines. Parce que c'était le pays des Philistins. It means that the battle will be very hard. Ça veut dire que la bataille devait être très dure. You want to reach the top? Vous voulez atteindre le sommet? You must not choose the easy way. Vous ne devez pas choisir la voie facile. Amen. If you want to reach there quickly, vous voulez arriver là-bas rapidement. Go through the wall. Passez par le mur. Fight your battle as a Christian. Overcome your enemies and reach the promise. Et vous allez atteindre. But they took time. Mais ils ont pris du temps. Because they wanted miracles. Parce qu'ils voulaient les miracles.
They receive free health care. Ils ont reçu medical aid. Les soins médicaux gratuits. No bills paid to the doctor. Pas les bills de la famille. You just look to the pool and you're fine. Hallelujah. Hallelujah. They get food every day for 40 years. Ils obtenaient la nourriture chaque jour pendant 40 ans. Vous levez le matin la nourriture. And when you are not happy, they change the menu. On change le menu. Amen. I'm talking to you here. They get you free. Throwing down the food. Jette cela, la nourriture. And they were not even thanking God. Et la personne n'est pas. They said, we are tired. Ils disent, nous sommes preaching us the same thing, Brian. Telling us this and that. C'est cool, c'est facile. We are tired. Nous sommes fatigués. We want some cucumbers from Egypt. Nous voulons des concombres de l'Égypte. Want something like they have, they live. Nous voulons quelque chose comme eux. Spiritual McDonald's. Le McDonald's spirituel. That's what we need. C'est ce que nous avons besoin. We are tired of your ways. Nous sommes fatigués. This kind of preaching. We don't see anything. On ne voit rien. 40 years. 40 ans. They don't go to shops. Ils ne partent pas dans les boutiques. They are clothes that still like you. Les habits. Leur habit était comme toujours nouveau. Can you say amen? Amen. But these people. Mais ce peuple. They are rebellious. Sont rebelles. Amen. Amen. And there were two kinds. Il y avait deux sortes. There is this old generation of old fighters. C'est cette vieille génération des anciens combattants. They saw all the war. Ils ont vu tout. They know the message. Ils connaissent le message. Amen. They fought the battle. Ils ont combattu les batailles. Those ones, the new generation, et la nouvelle génération, that are born in the freedom, qui est née dans la liberté, the looters, les lutteurs, they loot shops and things, les voleurs, ils volent les boutiques et les choses, because they don't know the price of freedom, parce qu'ils ne connaissent pas le prix de la liberté, they want everything free, ils veulent toute chose, free chain church, free tissue in the toilet, des free water there, everything must be given to them free. Tout le doit être donné gratuitement. Amen, amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Are you with me there? Amen. They don't carry Bible. Une nouvelle génération, ils ne portent pas les livres. They just come with phones. Ils viennent avec des téléphones. Amen. Amen. They don't know how church will operate. Ils ne savent pas comment l'église opère. For them, pour eux, if I have a time, si j'ai des unités, I have Wi-Fi, si j'ai le Wi-Fi, when I pray to God, give for buying the building. Quand on dit donner pour acheter le bâtiment. That is the problem. Ça c'est le problème de Timothée. Et Arlen, et les autres, vous savez. Moi je parle juste là-bas. Une nouvelle génération. Born in freedom. Née dans la liberté. They don't know nothing about the message. Ils ne savent rien sur le message. They just hear these things like. Ils entendent seulement ces choses comme. Okay. Bien. What? Because the older generation they know. Parce que l'ancienne génération. But they are the fighters. Mais ce sont des combattants. They fight among themselves. Ils se combattent entre eux. Beaucoup. Ils ont vu les Égyptiens, ils ont vu cette nouvelle génération, ils ne sont pas dans cette chose. Ils partent au pays du lait et du miel. Did they possess it? L'ont-ils possédé? Non. Disait. Amen. Amen. They went in. Ils sont entrés. Their problem they were seeing only obstacles. Leur problème, ils voyaient seulement les obstacles. Amen. You know, sometimes even in your home. Vous savez, quelquefois même dans votre maison. When I sit, I told the children. Quand je m'assois, je dis aux enfants. You know, we suffer. Vous savez, nous avons souffert. Sometimes they get angry. Vous savez, quelquefois, ils se battent. Pourquoi vous lui dites ça? No, you must understand. Non, vous devez comprendre. When you're sleeping in the house, somebody worked for you to sleep. Quand vous dormez dans la maison, quelqu'un a travaillé pour vous de dormir dans la maison. You must know those things. Vous devez connaître ces choses. Nous parlons des choses sérieuses ici. Amen. Amen. For the light to be here, somebody, yeah. Pour que la lumière soit ici, quelqu'un doit payer pour que puisse avoir la lumière. Amen. Amen. So you must have responsibility so that the next. Vous devez avoir la responsabilité afin que la nouvelle génération suivante. Don't loot all your things and destroy.
Bible, toutes les choses étaient prises. Non, you must protect. Vous devez protéger. What you have received, yes, c'est que vous avez reçu. You must work to increase it. Vous devez travailler pour augmenter ce. But when they went in the land, mais quand ils sont allés dans le pays, ils ont échoué. They produced a generation that didn't know God. Ils ont produit une génération qui n'avait pas connu Dieu. And we are the way we are going in the message. Et la manière que nous avançons dans le message. We risk to do the same thing. Nous risquons de faire la même chose. Amen. Amen. Yeah, 10 years from today, I don't know. 10 ans après. If they will even know what is the second thing. Si ils sauront même qu'est-ce que le second thing. I'm serious. Je suis sérieux. The way we are moving. La manière que nous avançons. Brother called me, Brother Mushota from the USA. Un frère was here with us. Il était ici avec nous, il est aux États-Unis. Pastor. Il dit, pasteur, I want advice. Je veux le conseil. Want to leave the church. Je vais quitter l'église. J'ai dit, ah frère, why want to leave the church? Pourquoi veux-tu quitter l'église? He said, that's why I called you for advice. Il dit, c'est pourquoi je t'ai appelé pour le conseil. He said, the first thing, il dit, la première chose, in this church, dans cette église, there is no picture of Brother Branham. Il n'y a pas les photos de Frère Branham. J'ai dit, ma frère, ça c'est pas un problème. Amen. Amen. If there is no picture, what is the problem? S'il n'y a pas les photos, quel est le problème? Do you believe in your heart? Quoi dans ton cœur? Ne cherche pas les photos. Il dit, ok, second problem. Il dit, bien, deuxième problème. I see they are consecrating babies. Je vois qu'ils consacrent les bébés. But we don't see father. Non, on ne voit pas les pères. That is good. That is the United States. Ça c'est les États-Unis. We don't see father. On ne voit pas les pères. Every time, à chaque fois, oh ma sister, oh notre sœur, was pregnant, était enceinte. Now she has a baby. Maintenant elle a un bébé. Let us thank the Lord. Remercions le Seigneur. Then my yes. Et alors j'ai demandé. The pastor feel like I'm becoming opposition. Le pasteur voit c'est comme si je suis devenu l'opposition. I say, ah, that's why it's serious. J'ai dit, ah ça c'est sérieux. Amen. Amen. Yeah. If we start that here, that is dangerous. Parce que si on commence cela ici, ça c'est dangereux. Amen. Amen. That's very dangerous. Très dangereux. So the sisters, because there is no brother. Alors les sœurs, parce qu'il n'y a pas de frère. Now they find their boyfriend. Maintenant elles sont des copains. Now they become single mother in the message. Elles deviennent les mères célibataires dans le message. You know, there is things that we do. Vous savez, il y a des choses que nous faisons. Always, we have some mistake in Africa. J'ai toujours dit que nous avons des erreurs, quelques erreurs aussi en Afrique. But not that kind. Mais pas ce genre-là. Yes, amen. That amen. Kind, you know. Ce genre-là, non. We cannot accept. On ne peut pas accepter cela. That one, I say, bro, give me that one. J'ai dit, frère, si c'est ça, then, alors, I will give you my place. Amen. Amen. Parce que si eux ne peuvent pas corriger cela, parce qu'on doit savoir. You see, the nation are in trouble. Vous voyez, les nations sont dans le trouble à cause de cela. South Africa is in trouble. L'Afrique du Sud est dans le trouble. Because of family without father. À cause des familles sans père. We must face the problem. On va faire face au problème de la réalité. When we are giving birth, 18, you give donner naissance, 18 ans, in school you give birth. À l'école vous donnez naissance. Oh, children, they are coming a generation. Les enfants viennent d'une génération. Of children, les enfants, fatherless generation, sans père, une génération de sans père. Amen. Amen. They grow with their grannies. Ils grandissent avec leur grand. They become violent in society. Ils deviennent violents dans la société. Amen. Amen. Why? Pourquoi? Because the government. Parce que le gouvernement. That's not a solution. Amen. But the solution is with the Bible. La solution. The solution. La solution. A child needs a father and a mother to give them education and direction. Pour leur donner l'éducation et la direction. Amen. Say amen. Dites amen. Back to money. On retourne dans l'argent. So these people, alors ce peuple, they failed. Ont échoué. The Joshua generation failed. La génération de Josué a échoué. Joshua is in the message. Et Josué dans le message. But you don't fail, hein? Mais vous ne jouez pas. Can you say amen? Vous dire amen. Say I will not fail. Je réussirai. I will succeed. Je réussirai. Amen. Amen. I will prove to the devil that I'm a son of God. Je vais prouver que je suis un fils de Dieu. Me, I don't believe in the preaching of the devil. Moi, je ne crois pas dans la prédication du diable. You know, vous savez, allow me, I'm, permettez-moi, je prêche. When my wife delayed, quand mon épouse avait retardé, elle est venue, et j'ai reçu des visions.
some dreams. Des rêves. Oh, we saw her falling in a pit. Oh, on a vu tomber dans un gros trou. Eh, we saw this. On a vu ceci. I stand up, I said, Je me suis tenu, j'ai dit, I cannot believe the devil. Je ne peux pas croire au diable. Now I said, maintenant j'ai dit, I will bring her here. Je l'amènerai ici. Let that devil now follow me, man. And I brought here. Et je l'ai amené ici. And the person called. Et la personne a appelé. Oh, I say okay. J'ai dit bien. Tell that devil. Dis à ce diable là. Now to come in my house. De venir maintenant dans ma maison. Because there I will fight him in my house. Parce que là je vais le combattre dans ma cour. Alléluia. Why? Pourquoi? Because I had the conviction. Parce que j'avais la conviction that I cannot just take everything they tell me. The devil is saying. Je ne peux pas juste prendre tout ce qu'on me dit que le diable a dit. What holds us most the time? Ce qui nous retient la plupart du temps. It is not the problems. Ce ne sont pas les problèmes. It is what we are thinking that we are. C'est ce que nous pensons que nous sommes. Le moment c'est. If you believe. You are not the son of God. Or you are a sinner. He said you will associate with sinners. You will become a sinner. And you get lost. Amen. Amen. A good attitude. La bonne attitude. It is a positive confession. Confession positive. To say, I am a son of God. Even when I fall down, I rise up again as a son of God. Alleluia. Il a continué à descendre. Yes. And I said, your enemy is yourself. Comme j'ai dit, votre ennemi c'est vous-même. Christianity is different of all these sangoma. Le christianisme est différent des chrétiens et des pharmaciens. Because in Freemason, que dans les chez les pharmaciens, ils vous disent, on teste, exemple, I don't know what they. Mais si c'est un exemple, je ne sais pas ce qu'il faut. You must not eat meat. Vous ne devez pas manger la viande. Must not eat meat, you die. Si vous mangez, vous allez mourir. But in the Christianity, mais dans le christianisme, whosoever will, tout celui qui veut, let him come. Amen. Amen. When you are a Christian, si vous êtes chrétien, you stay a Christian by yourself. Vous restez chrétien vous-même. You are driving in the road, vous conduisez dans la voie. Attack you. Les gens vous attaquent. You stay a Christian. Vous restez chrétien. Amen. 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 Because you can decide to be a pagan. Tu peux décider d'être un païen et se comporter. People are looting. And you learn to be a Christian. And you live like a Christian. You walk like a Christian. And your confession becomes your reality. Amen. Amen. Now, money is important. Maintenant, l'argent est important. We must talk about. On doit parler sur ça. Although money is temporary. Bien que l'argent est temporaire, not eternal. Ce n'est pas éternel. Amen. Amen. I'm not saying, je ne dis pas, this church will be now money. Cette église sera maintenant l'argent. But if also I don't speak about it, mais si je ne parle pas aussi sur cela, then, alors, I'm helping the stingy ones. Je suis en train d'aider les pères. Those ones who don't want at all, ceux qui ne veulent pas du tout, they are feeling comfortable. Ils se sentent confortables. With free stuff. Avec les choses sacrées. In this church, dans cette église, we have very good people. Nous avons des très bonnes personnes. Those they honor God. Ceux qui honorent Dieu. But we have some old others. Mais nous avons aussi les autres. Ah, the generation of those that's nothing. Ah, la génération de ceux qui ne font rien. Yeah. They are also here. Ils sont ici. Ici. Plenty of them. Beaucoup. We don't send them out. On ne les fait pas sortir. Nous disons, restez à prier. How to live as a Christian. Comment vivre comme chrétien. Amen. Brother Branham says the best thing in Christianity. Frère Branham dit la meilleure chose dans le christianisme. As the Bible says, comme la Bible dit, there is pleasure to give than to receive. Il y a du plaisir à donner que de recevoir. There is bigger blessing to give than to receive. Il y a des grandes bénédictions de donner que de recevoir. And giving et donner, it goes with relationship, marche avec la relation. Because
Parce que the Bible opens with two people giving. La Bible s'ouvre avec deux personnes qui donnent, qui donnent. If you don't give, even Cain is more than you. Si vous ne donnez pas, même Caïn est plus que vous. Because Cain went with an offering. Parce que Caïn est allé avec une offrande. Amen. Dites amen, c'est la Bible. And they say you cannot come before a king without a gift. Et il est dit que vous ne pouvez pas venir devant un roi sans un don. Look at Jesus, a baby born. Regardez à Jésus, un bébé né. Somebody bring gold. Quelqu'un a amené l'or. If you were anywhere, somebody bring in gold. You say, si vous avez quelqu'un qui est en or, vous allez. Why bring so much gold for a baby? Pourquoi il a amené beaucoup d'or pour un bébé? Must bring it to. Amen. To the market we sell. Au marché, on va vendre. But the gift express. Mais les dons expriment what value la valeur on who you are giving. Et vous mettez sur la personne. If I give to brother Timothy, le don que je donne à it show how I value the relationship with him. Comment je mets en valeur la relation que j'ai avec lui. God so loved. Dieu a tant aimé, and he gave. Et il a donné. And God gave the best. Et Dieu donne le meilleur. He gave his only begotten son. Il a donné son seul fils engendré. All it means you have only one. Le seul, ça veut dire que vous n'avez and you take the best that you have. Le meilleur que vous avez. You give it. Vous donnez because of love. À cause de l'amour. That's why we can never outgive God. C'est pourquoi on ne pourra jamais donner au-delà à Dieu. Amen. Amen. We can never give them more than God. On ne peut pas donner plus que Dieu. Nobody. Personne. Because God has given the best. Parce que Dieu a donné le meilleur. The Bible says, la Bible dit, the earth is mine. La terre est mienne. The gold is mine. L'or m'appartient. The silver is mine. L'argent m'appartient. Amen. Amen. Your suit is his. Yes, sir. Votre fête, your suit lui appartient. Votre chaussure lui appartient. Your breath, you are breathing. Le souffle de vie, even your hand, you are clapping. Everything belongs to him. Tout lui appartient. Amen. That's why it's saying in the Bible, you rob me. Vous me volez, vous me trompez. Because it's not yours. C'est pas pour vous, c'est pour lui. Alléluia. I said the last time. La fois dernière, j'ai dit. There is no best deal than the deal that God gives. Il n'y a pas de meilleures affaires que l'affaire que Dieu donne. Even in this life. Même dans cette vie. Let me just give an example. Laissez-moi donner un exemple. Credit card, you pay how much? Les cartes de crédit. 17%. Vous payez combien? 17%. 17% on 17% sur les cartes. When you're just using that. Quand vous utilisez juste cette carte. Giving the bank 17%. Vous donnez à la banque 17%. But God said. Mais Dieu dit. Yeah. Hey, everything that you have. Tout ce que tu as. You don't. M'appartient. But give me 10. Mais donne-moi 10. Garde le 90. But you were wicked. Mais toi, tu es méchant. Take even this. Tu prends même le. You eat. Tu manges. Amen. And et you know the way we behave. Vous savez la façon que nous nous comportons. When they say in church, quand on dit dans l'église, we need to paint the church. On doit peinturer l'église. Yeah. You go out. Vous sortez. You spend 1,000. Vous dépensez 1,000 rand on Brazilian hair. Sur les cheveux brésiliens. You bring the little chicken change, like you call it. Vous apportez le petit, la petite échange, comme vous appelez cela. Give to brother Ahmed, because he's the one who. Vous donnez à faire Ahmed, parce que c'est lui qui prête avec l'argent. You don't want people to see. Et vous voulez que les gens voient, parce que vous-même vous savez. If you cannot buy even one tin of ça ne peut pas acheter one tin of paint, un petit pot de peinture. But you say this is me. Mais vous dites, and you are very proud. Et tu es fier. We will give, hein? Nous nous donnons. Vous voyez, vous avez été. C'est nous. Si moi je ne suis pas là. To give to God. Pour donner à Dieu. I will need the protection, don't worry. Je dirai l'excitation, ne vous inquiétez pas. C'est mon travail. Frère Benami, Jésus, il y avait une femme qui était venue. Amen. Amen. She gave a very little. Elle a donné peu, très peu. But she gave all her substance. Mais elle a donné tout son substance. And another one came. Et l'autre, hein? Gave a lot. A donné beaucoup. But Jesus said, mais Jésus, she gave more. Elle a donné plus.
So the problem is not the amount. Alors le problème n'est pas la quantité de montant. It is what it cost you, the sacrifice you put in what you are doing. C'est ce que ça vous coûte, le sacrifice dans ce que vous faites. If brother Moses, si le frère Moïse, un exemple frère, il vient ici. Maybe he's getting 1,000 rand. Peut-être qu'il a 1,000 rand. Il vient. He give 900. Il donne 900. Brother Timothy, frère Timothy, getting 100,000. Qui a 100,000 rand. He put 5,000. Il met 5,000. Moses has given to God. Moïse a donné à Dieu plus. You understand the Bible? Vous comprenez la logique de la Bible. Why? Pourquoi? Because Moses put too much pressure on God. Parce que Moïse a mis beaucoup de pression sur Dieu. He said, Lord, il dit, Seigneur, everything I have, tout ce que j'ai. Because I value you so much. Parce que j'ai tu as beaucoup de la valeur. I give you all. Je te donne tout. Exemple. Mais frère Timothée, un exemple frère. Il said, okay. Il dit bien. After I have finished my things. Après avoir terminé les choses. Okay, 5,000. Okay. 5,000, c'est assez. Because this I don't. Even if I give this, I'm not fit. Même si je donnais, je ne vais pas sortir. That's what Brother Vanon said. C'est pourquoi Brother Vanon dit. When God said, save you. Quand Dieu dit, il vous a sauvé. It means sozo. Ça veut dire le sozo. Amen. It is not only physical. Ce n'est pas seulement physical. It is for your well-being. C'est pour votre health. What for your protection. What protection. It is take every area of your life. Ça contient une zone de votre vie. And you say amen. Amen. In the word salvation. Dans le mot salut. It takes care of you physically. Il porte de vous spiritually. Spirituellement. It takes care of you in every way of life. Il porte de vous dans tous les domaines de la vie. And when you are coming. Et quand vous venez. To give to God. Pour donner à Dieu. The first gift. Le premier don. Is not your money. N'est pas votre argent. The first gift is yourself. Le premier don c'est vous-même. And you say amen. Amen. The first gift. It is you value him. C'est que vous lui donnez de la you valeur. Give yourself. Let us read the Bible man. Disons dans la Bible quelque chose. Amen. 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 Because it's not, I'm not saying that go bring your money. Je ne dis pas que apportez votre argent. Keep your wallet. Et gardez votre porte-monnaie. Bring the money. Mais apportez l'argent. Amen. Amen. Bring what belongs to God. Apportez ce qui appartient à Dieu. Listen what he says. Écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. The Bible deals with these things. La Bible traite avec ces choses. Moreover, brethren, I want you to read well, well there. Verse 1. Verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the church of Macedonia. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. A difficult history. Si vous allez dans l'histoire, Macedonia was a mining area. La Macédoine était une zone minière. And then the land went into very recession. Et le pays était rentré dans la récession. Now Paul is commanding them. Listen. Maintenant Paul est en train de recommander. How does in great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality? Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses. Des riches libéralités de leur part. Say amen. Dites amen à la Bible. They were not well off. Ils étaient pas bien. But Paul commending them for their liberality. Mais Paul les a félicités de leur libéralité. Can you say amen? Dites amen. For their power I bear record, yeah. And beyond their power they were willing of themselves. Amen. Ils ont,
de la tête donnent volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. You keep quiet. Vous restez calme. Répète. Ils ont de la tête donnée volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Amen. Amen. Even beyond. Même au-delà. Hmm? This is Bible. Ça, c'est la Bible. It says, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry of the saints. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. And this they did as not as we hoped, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, amen, par la volonté de Dieu. Amen. 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 Not only did they contribute, ils n'ont pas seulement contribué, but themselves, they give themselves to the Lord. Mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Because the best gift is that one. Parce que le meilleur don, c'est celui-là. Yourself first must be a living sacrifice. Vous-même devez être un sacrifice. You give yourself to God. Vous vous donnez à Dieu. Remember, I said, it is all about your conviction. Tout est à propos de votre conviction. That's why when we give pledge to the Lord, mais pourquoi quand nous faisons des serments, we say things here. Nous disons des choses. And then, et alors, we go and we don't do the way we say. Nous allons et nous ne faisons pas la manière que nous avons. It means we have information. Ça veut dire que nous avons des informations. We don't have conviction. Nous n'avons pas la conviction. We don't even believe. On ne croit même pas. In what we say, we believe. Dans ce que nous disons que nous croyons. Amen. Amen. What I'm preaching here, what Brother Armel has said here, concerning what we are doing, concernant ce que nous faisons, it is just an information we are passing to people that are here. But we take God in your heart to make the transformation, to put you to work. And when it puts you to work, what was something in your mind will become a reality. We started by paying. Nous avons commencé en payant. Le samedi et le vendredi. Non, Friday. On a signé le vendredi. We went to sign. We already signed. Nous étions partis signer. On a déjà signé. And we need to pay the lawyers. Et nous devons payer les avocats. You know, we have worked hard. Vous savez, on a travaillé dur. Paye 240,000. On a payé 240,000. I don't know how we paid, but we paid. Je ne sais pas comment nous avons payé, mais nous avons payé. Amen. And there's still money remaining. Et il y a encore de l'argent. I'm talking about money. C'est pourquoi je parle de l'argent. Because after this, parce qu'après ceci, myself, I'll take my phone. Moi-même, je vais prendre mon téléphone. Everybody. Tout le monde. The first time you lied to me. La première fois, vous m'avez beaucoup menti. Amen. Amen. You lied to me. Vous m'avez menti. This time, cette fois, I will take again the phone. Je vais encore prendre le téléphone. Brother, frère, what did you say? Que dites-vous? That's why I'm telling you. C'est pourquoi je vous dis, there is pleasure, there is blessings in giving. Il y a le plaisir et les bénédictions en donnant. And in Atiraite operation, et dans l'opération Atiraite, as a brother said, frère dit, she made a pledge. Elle a fait une promesse. To contribute to the construction of a new church. De contribuer à la construction de la nouvelle église. That was a chain reaction. C'était une réaction en chaîne. When she made that pledge, quand elle a fait ce serment, she pledged $50. Elle a promis de donner $50. But she got only 20. Mais elle a eu seulement 20. She put in an envelope de 20. Elle a mis les $20 dans l'enveloppe. Brother Branham said she didn't have even food. Elle dit qu'elle n'avait même pas la nourriture. She brought it to Brother Robertson. Elle a amené cela à Frère Robertson. Now Brother Robertson said no. Maintenant, Frère Robertson a dit non, sir. We will not take it. On ne va pas prendre cela. Now Brother Branham also. Maintenant, Frère Branham aussi. He told his wife Meda. Il a dit à sa femme Meda, you must take back that envelope. Redonne cet envelope. And God told him no. Et Dieu lui a dit non. Amen. You Amen. Don't do things like that. Tu ne fais pas les telles choses. Alléluia. Because the supplier is not William Branham. Le fournisseur n'est pas William Branham. The supplier is God. Le fournisseur
de Dieu. The God is looking in the heart. Et Dieu est en train de regarder dans le cœur. The value of this sister. La valeur de cette sœur. She needs that 20. Elle a besoin de ce 20 là. But she said. Mais elle a dit. The building of God. Le bâtiment de Dieu. Is most important now. Est plus important maintenant. And this is my own contribution. Et ça c'est ma contribution. Alléluia. Alléluia. And William Branham said. Et William Branham a dit. When we were sitting. Quand nous étions. I started thinking about his sister. J'ai commencé à penser de sa sœur. Who was in the wheelchair? Qui était dans le fauteuil roulant. I told her. I said. Je l'ai dit. I believe one day. Je crois qu'un jour. God will give me a vision for her. Je me donnera une vision pour elle. She will walk. Elle marchera. Alléluia. Alléluia. While talking. Pendant que il parlait. He started giving a testimony of the creation of squirrels. Il a commencé à donner le témoignage de la création des écureuils. And the sister said. Et la sœur. That is exactly the truth. C'est exactement la vérité. Alléluia. Alléluia. The chain reaction went to hell. Heaven was shaken. Le ciel était and God came and said. Et Dieu descend. Ask what you will. Demande ce que tu veux. Can you say amen? Ask what you will. That was the basis of what we are doing. I say you must not tell me what you want. You must ask your maker what you want. Hallelujah. But before we move into that, hallelujah, avant d'avancer dans cela, you must clear the canal. Amen. You must not be. There is one enemy. Vous ne devez pas être. Il y a un ennemi. That we have here. Que nous avons ici. Les dettes. Amen. Amen. Il a parlé. Les dettes. Read the Bible. Lisons la Bible. Amen. Amen. Let's read first. Lisons d'abord. Psalm 27. Hmm? 21. Because that is one obstacle in giving. Et ça c'est l'obstacle en donnant. The most problem of Christians, especially those who are avec les chrétiens, I am here. They plan on debt. Ils planifient avec les sur les dettes. You cannot plan your life on debt. Vous ne pouvez pas planifier vos vies sur les dettes. S'il vous plaît. Vous savez que Frère Chimie a l'argent, permettez-moi. Quand vous le voyez avec une Mercedes-Benz, Dieu bénisse frère. Vous avez un plan d'acheter quelque chose pour votre femme. Maintenant vous planifiez sur l'homme avec la Mercedes. Parce que c'est un frère. Je suis dans le besoin. 2020, Dieu te bénira. Dieu a dit, la foi n'est pas prête. Et personne n'a prête. Et alors ils vous brisent. Vous dites bien. Quand vas-tu repayer cela? Non, non, non. Très bientôt, très bientôt. Ça ne prendra pas un mois. Avec des mains pour payer l'argent. Goes back town. Ville, buy stuff for the wife. Achète quelque chose pour la femme. Wife doesn't know. La femme ne connaît pas. Oh. The wife's friend. Je suis un bon mari. Time to pay. Le temps de payer. It's in Bible. Écoutez la Bible. Amen. 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 21. The wicked borrow and pay not again. Le méchant comprend et il ne rend pas. Amen, we can do it. Amen, Amen. 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 That is the Bible. The wicked borrow and pay not again. Ça c'est la Bible. Le méchant emprunte et il ne rend pas. But the righteousness showeth mercy and giveth. Le juste est compatissant et il donne. Amen. Dites amen. Must not be good. Je dois pas être bon. Must preach. Amen. Je dois prêcher. Let us go again in the Bible. Allons encore dans la Bible, dans la même Bible. Amen. Amen. Let me find my scripture there. Laissez-moi trouver mon écriture. Somewhere. Je l'écris, je l'ai noté quelque part. Even when you read Proverbs 7. Même si vous lisez Proverbes 7. Il dit, le borrower
He became slave to the lender. That's why you don't pick up the phone. Pourquoi ne prenez pas le téléphone? You don't pick up. Vous ne répondez pas aux appels. Le frère vous appelle. Vous ne répondez pas. Only the message. Seulement le message. A Christian must be correct. Un chrétien doit être correct. Integrity is as of it. L'intégrité est de faire demander aux chrétiens. Vous swipe those things. Vous prenez les choses. Pastor, pray for me for the blessing. Vous venez ici. And I spend all my time there. God bless you, Pastor. Break the spirit. Break the spirit. Break the spirit. It will not work. You are not, you don't have integrity. You are not the honest guy. Tu n'es pas une personne honnête. Say amen. Dites amen. You are running away from your responsibility. Tu es en train de fuir de tes responsabilités. Brother Branham said, pay them the debt. It is a duty of a Christian to pay. C'est le devoir d'un chrétien de payer. And if, et si, you have borrowed even to the church. Vous avez prêté même à l'église. Pay. 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 Amen. Ne vous fâchez pas. Je vais maintenant partir. Payez. Because even if you go, parce que même si vous partez, the problem is not finished. Le problème n'est pas terminé. That's true. You know people have borrowed money in this church. Vous savez, les gens ont prêté de l'argent dans cette église dans le passé. 2010. Ils sont allés avec l'argent. And they think that the problem is still. Et ils pensent que le problème est terminé. You have created an obstacle. Yeah. Tu as créé un obstacle toi-même. You don't move. Vous n'allez pas avancer. That thing will hold you. Cette chose va se laisser. If it's the money of the church, si c'est l'argent de l'église. That's why I said, don't blame your life on them. C'est pourquoi j'ai dit, ne prenez pas vos vies sur les dettes. Never. Jamais. The place to get money is work. La place là où avoir l'argent, c'est le travail. Say amen. Dites amen. Work. Le travail. The Bible says you sow your seed. La Bible dit vous semez votre semence. The main problem because we are eating even the seed. Le problème avec nous c'est que nous mangeons même la semence. And the quality of your seed brings the quality of your harvest. Et la qualité de votre semence avec la qualité de votre moisson. That's what we read. C'est ce que nous avons. He that sowed sparingly. C'est lui qui sème. You sow mushroom. Vous semez les champignons. Champignons. And you expect what? Et vous vous attendez à quoi? God is not a microwave. Dieu n'est pas le micro-ondes. Non. Galatians chapter 6 says. Galates chapitre 6 dit. You don't faint in prayer. Vous ne commettez pas dans la prière. No, you don't faint. Faint, oh, vous ne tombez pas dans la prière. Vous ne priez pas assez. There is a season, parce qu'il y a une saison, from the time you sow a seed, du temps où vous semez la semence, to the time of the harvest, au temps de la poisson. Say amen. Dites amen. Every area you sow in, toute part, chaque partie là où vous avez semé, you reap. Vous allez moissonner. If you sow in your house good seed, si vous semez dans votre maison good, good seed, bonnes semences, vous allez recueillir des bons enfants et bonnes femmes. For me to have a good suit like this and my friends, because I saw my old restaurant, I eat some chicken, then I don't have question of course. Because if I don't give the body, you look like me. Say amen. Amen. What you sow, c'est que that is the principle. C'est le principe. That's what you reap. C'est ce que vous moissonnez. You cannot use, you don't sow. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Oh, you make a small field like this. Vous faites un petit champ comme ceci. When brother Armand, quand frère Armand collecte 1 hectare, a pris 1 hectare, you are jealous. Tu es jaloux. Pourquoi lui il a beaucoup? Because he sowed too much. Parce qu'il a semé beaucoup. The nature of his seed brings the nature of his harvest. La nature de sa semence amène la nature de sa moisson. You don't sow. Toi tu ne sais pas. You don't expect. It is Bible, not me. C'est la Bible, ce n'est pas moi. And Jesus emphasized. Et Jésus a insisté. If you are faithful, si tu es fidèle, in little, dans les petits, alléluia, they will give you much more. Alléluia, on te donnera plus. I remember one brother. Je me souviens d'un frère. C'est. Il dit. Getting money. Il a l'argent. Let me just put in rent. Laissez-moi mettre cela en rent. Like quelque chose comme 2000. 200 descend pour Dieu.
Il dit, j'avais promis à Dieu. S'il te bénit, je ne vais jamais arrêter. Alléluia. But the time come, mais le temps est arrivé. Il continue l'increase. Il a eu l'augmentation. Too much increase. Beaucoup d'augmentation. Then he said, puis il dit, ah, come too much. C'est devenu trop. Amen. Amen. Now because he started looking at pastor. Maintenant il a commencé à regarder au pasteur. This man, il dit, ah, cet homme, he's eating my money. Il mange mon âme. Alléluia. Alléluia. Started looking at pastor. Il a commencé à regarder au pasteur. Pastor. Il dit, pasteur. When you have 100,000. Quand vous avez 100,000. It's not easy. C'est pas facile. Hein? I said, yeah, maybe. J'ai dit oui peut-être. We must pray God to bring you back to. On va prier à Dieu de te ramener. Alléluia. Alléluia. To elle est pas facile. Because there is people that cannot end the prosperity. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manier la prospérité. They cannot end the growth. Ils ne peuvent pas contrôler la croissance. That's why you're still living in a dream. C'est pourquoi vous continuez à vivre dans un rêve. This is my dream car. Ça c'est ma voiture de rêve. Just a dream. C'est juste un rêve. It is just a dream. Until you transform that into a belief, and you want to worship, your dream will become a reality. And the way to do it, change your conception, change your mind, obey, do the right thing, get a chose Christ. Amen. Amen. Don't plan on death. Ne planifiez pas sur les dettes. Say amen. Dites amen. Amen. And I've always said, don't give people that. They just send them to the bank. J'ai toujours dit aux banques. Because if somebody cannot keep his word, parce que si quelqu'un ne peut pas tenir sa parole, maybe you keep it to the collector. Peut-être que au collecteur il va garder cela. Because you know the brother will take him no. Parce qu'il sait que le brother n'amènera nulle part. That is the main thing. Ça c'est la chose principale. Yeah. When especially is it too? The brother is not always free. What in the paper tu as man? Amen. 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 That's in the Holy Spirit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Fais la pression. But yes, mais il a pas. Pourquoi ne peux-tu pas utiliser la grosse là? That is wickedness. Ça c'est la méchanceté. La méchanceté. Bible says the wicked borrow doesn't pay. La Bible dit le méchant emprunte ne paye pas. I want you people to move from wickedness to be good. Je veux que vous quittiez la méchanceté pour être une bonne personne. Integrity. L'intégrité. Obey and honor your own way. Obéissez, honorez. When you give a promise, it gives you value when you are married. Amen. When I had bill to pay, quand j'ai des factures à payer, I call those people. J'appelle ces gens-là. Peut-être que je dois lire. Amen. Amen. All these things I'm saying, I'm reading. Tout ce que j'ai dit, je suis en train de lire. He said, I call those people. Il dit, j'appelle ces gens-là. I tell them, je leur dis, I cannot pay you. Je ne peux pas vous payer maintenant. Because I have problems. Parce que j'ai des problèmes. In the message, Christ is revealed in his own way. Dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Are we going? Amen. Avançons-nous. Il dit, quotation 12, paragraphe 12. Il dit ici. Il dit ici. I believe, okay. But I said something about paying your debt. J'ai dit sur quelque chose sur payer vos dettes. Your prophet. What prophet? Because you say, oh, he's talking about your prophet. Il parle beaucoup. And you know, et vous savez, no matter what you say, peu importe ce que vous dites, it is misunderstood by many. C'est mal compris par beaucoup. Not because they don't want to misunderstand, pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre, but you just simply misunderstand it. Mais vous comprenez cela mal. And now someone said, should we buy a car? Et maintenant quelqu'un dit, devrons-nous acheter une voiture? Or what should I? Pour que devrais-je? Now that is not what Jesus spoke of. Maintenant ça ce n'est pas ce que Jésus a parlé. Are you following? Êtes-vous en train de suivre? Or the Bible then? Ou la Bible là-bas? That said, he dit, owe no man nothing. Amen. Ne te dette de personne. Ah. Amen. Amen. You must say it with strength so that it's there. Vous devez le dire avec force. Oh, no man, nothing. Ne devez personne. Men, only love. C'est le bon amour.
Only love one another. Seulement aimez-vous les uns les autres. It doesn't mean that we cannot always love the person. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te voir quelqu'un. Even me, I can hope. Même moi, je peux le voir. But the attitude that you have. Mais l'attitude que vous avez, c'est ça. L'attitude que vous avez. Comme les gens font à Ile-Boyé-Pilé. They go to shop that selling appliances. Ils partent dans les shops dans les boutiques, ils vendent des choses. Ils prennent des choses avec une adresse. Ils mouvement. Ils changent de quartier et ils changent de maison. Je ne sais pas comment appeler ça. Amen. Amen. A Christian cannot behave like that. Un chrétien ne peut pas se comporter comme ça. Now, when he said, pay, oh, nobody, somebody said, Frère Branham, you must not buy car. Maintenant, quand il dit, ne devait rien à personne, quelqu'un dit, Frère Branham, on ne doit pas acheter des voitures. Houses. Des maisons. No, that's what not Jesus is talking. Il dit, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Buy a car. Oui, achetez la voiture. You one if you want. Une nouvelle si vous voulez. You look at me, what about? Vous me regardez. Quand le point du commun, attendez. Alléluia. Alléluia. Wait for it. Vous attendez cela. Si. Vous verrez cela. Amen. Amen. Buy a house. Achetez une maison. Pay. Payez la banque. Payez. Amen. Yes. Don't try check. Pay. Ne prenez pas en otage. Payez. I'm serious what I'm saying. Je suis sérieux. Nous sommes une civilisation différente. There must be a lot of Niger of houses. On ne doit pas être, on ne doit pas avoir des gens qui prennent les maisons en otage. Oh non, la maison a été prise en otage par le prince Timothée. And you find it, I'm doing. Et vous le trouvez là. Oh, I've been here for 20 years. Non, ça fait 20 ans que je suis ici. So what? Maintenant, Christian don't do that. Les chrétiens ne font pas ça. Alléluia. Alléluia. Say amen. Amen. Ne prenez pas en otage. That's not. Oh, no man nothing. He said, that is the lingering debt that you could pay. The lingering debt that you could pay. Il s'agit. Read. Il s'agit de dettes qui traînent et qui vous avez payé. Pay them. Payez-les. Say amen. Vous savez la matière. Pay them. Payez-les. So when you are going out today. Alors quand vous sortez aujourd'hui, pay them. Payez-les. I don't. That always no mean nothing. It doesn't mean my, we owe our debt. C'est ce qui signifie de ne devoir rien à personne. Cela ne veut pas dire, car bien entendu, nous devons rendre notre loyer. Everybody owes rent. It is mandatory. Tout le monde doit le loyer, c'est la fin du mois. You must pay. Vous devez payer. Amen. Our telephone bills. And our facture de téléphone. We owe these things, those things, and we pay them. Nous devons ces choses et nous les payons. But in all the lingering debt. Mais une vieille dette qui traîne, that you could be paying for, que vous pourriez rembourser, pay it off. Réglez-la. Amen. Now, don't go with anything hanging on you like that. Voyez-vous, ne laissez pas quelque chose comme cela en suspens. Vous avez des dettes de 2010. You want the brother to forget. Et vous voulez que le frère oublie. When the brother to... Quand le frère vous rappelle. Ah, frère. It is long time. Ça fait longtemps. It's long time, it means what? Ça veut dire quoi? Amen. I'm saying I'm a pastor and I know what I'm talking about. Je dis, je suis pasteur aussi, je sais de quoi je parle. And this thing puts me in trouble. Et ces choses me mettent dans les problèmes la plupart du temps. That's all. And some of you. Certains d'entre vous. You are going to, you see, you are a brother. Brother Moses. Frère, can you go and ask my wife to borrow you? Pouvez-vous aller demander à mon épouse que vous emprunter l'argent? S'il vous plaît. That is a total disrespect. Yeah. Ça, c'est un manque de respect total. Hein? Total disrespect. Oh, manque de respect total. Comment? You can't go. Vous ne pouvez pas aller. Oh, I went to sister to you. Oh, je suis allé à la sœur pour. If you were married, you would go. Si vous étiez marié, your wife would go. Votre femme peut aller. Amen. Amen. There is things that we must just learn to do ethical way. Il y a des choses que nous devons faire d'une manière éthique. But the man put a man like the leader of the house. Frère, madame a placé l'homme comme le conducteur de la maison.
Even if I'm used to black Timothy, I go to his wife, I start there chatting. Mais je ne peux pas seulement aller, même si je suis avec sa frère, Timothy, je parle là-bas chez sa femme, je commence à parler. Coach, sister, can I have some 200 rand? Oh, sir, puis-je avoir 200 rand? That's not working like that. Ça ne marche pas comme ça. We must behave. On doit bien se comporter. Say amen. Dis amen. Aujourd'hui, t'as porté des piments. On doit lever. Le système est bloqué. Votre système est bloqué. Vous vous asseyez dans le message, je pense que vous restez là-bas avec ces têtes de gauche à droite. And the church become heavy. Et l'église devient lourde. Because you make person to sin. Parce que vous amenez les gens à pécher. When you come here, you are saying amen. Quand vous venez ici, vous dites amen. Even the rules say amen. Pay them. I remember a time when I was sick. Il dit que je me souviens d'avoir été malade. When I was a boy, I come out of the hospital. About $2,000. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2,000. I used to be a drugstore. J'avais à l'époque la pharmacie de monsieur. I owed about $300 or $400. Je devais une facture de $300 à $400 pour les médicaments. He didn't even know me. Il ne me connaissait même pas. And the man, I said, je suis allé le voir. You finish your call to him. Vous terminez ici, allez. Amen. Le voir. And I just send it up there. Je le connais ça et I went to India. Never refused to send it. And I said, I owe you. Il n'avait jamais refusé de le livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. And I said, I believe Swaniga, j'ai dit, Mr. Mason down on Court Avenue in Spring. Je crois qu'il s'agissait plutôt de Monsieur Mason, là à l'angle de l'avenue Cour de la rue Spring. I say I owe you. J'ai dit, je suis en dette avec vous. I'm just still a full, awful weak. Je suis encore terriblement faible. But I'm trying to go to work. Mais j'essaie d'aller travailler. If I can't pay you, maintenant, si je ne peux pas vous payer, I just become a Christian. Je venais juste de devenir chrétien. I said, first thing, j'ai dit, Mr. Mason, Monsieur Mason, as my duty to God, je en premier lieu de le voir en I Dieu. I owe him my tithe. Je lui dois ma dîme. Say amen, church. Amen. I want to pay him my tithe. Je veux premièrement lui payer ma dîme. And say, then, et j'ai dit, my next duty is to pay my debt. Et mon devoir suivant c'est de payer mes dettes. Not Brazilian yet. Pas les cheveux brésiliens. And I say, my father is sick. Et j'ai dit, mon père est sick. Because of 10 of children in the family. Et nous avons nous sommes une famille de 10 enfants. If I can't pay you no more than 25 cents on a bill, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents, if I can't pay you even 25 cents, si je ne peux pas vous payer 25 cents, I'll tell you. Et si je ne I pas can't do monsieur, it this time. Je passerai par là. Now, by the help of God. Maintenant, je ne peux pas faire de cette fois. Et I pay de Dieu, every bit of it. J'ai remboursé jusqu'au dernier souffle. Amen, church, say amen. Amen. Your prophet, the model. What I pay every bit of it. See, j'ai remboursé jusqu'au dernier souffle. That's what I mean. Mais c'est ce que je veux dire. See, voyez-vous? Just don't somebody say. Quelqu'un dirait. Some Christian here at the church one time went out and got some work. I am not on a car here. Un certain chrétien de cette église ici avait fait faire du travail sur une voiture. And the man come down. Et cet homme est venu. And the man said, I will pay you. Il avait dit à cet homme, je vais vous payer. I get paid Saturday. Je touche ma paye Saturday. Brothers. Frères. They started long time. Ils ont commencé à longtemps. I will pay you Saturday. Je te payerai du samedi. Cette semaine. Or something another. Pour quelque chose comme cela. And he never paid. Et il ne l'a jamais payé. And week after week, les semaines une après l'autre se sont écoulées. And he never paid. Il ne l'a jamais payé. He never said a word. Il n'a jamais allé, n'est jamais allé lui en parler. Is it me saying this? Est-ce que c'est moi qui dis cela? Amen. And the man came and asked. Et cet homme est venu me demander. See, il a dit, voyez-vous? Look what is that? It reflects against the church. Amen. Ça reflète sur l'Église. Amen. Amen. It reflects against the church. Amen. Cela nuit à la réputation de l'Église. You become a liability. Vous devenez une liabilité. Everybody knows
Tout le monde sait. Don't try. Là-bas, ne sait pas. But you are a brother. Mais vous êtes un frère. And then you start preaching love here. Et vous commencez à prêcher l'amour ici. Because life according to you. Parce que l'amour selon vous. People must give away everything they have. Les gens doivent donner tout ce qu'ils ont. Because you don't work. Parce que toi tu ne travailles pas. Or you don't want to produce. Ou tu ne veux pas produire. Even when you work. Même quand tu travailles. You don't want to pay. Tu ne veux pas payer. But because they love you. Mais parce qu'ils t'aiment. La vie. L'amour. They must not ask. Ils ne doivent pas demander. When they ask. Quand ils demandent. You get vexed. Tu es vexé. So stay at home. Dites, je resterai à la maison. Parce que le frère armé, surtout lui. Ils ont fait depuis là-bas. For money. Lui pour l'argent. Alléluia. Alléluia. Christian must be good steward. Un chrétien doit être des bons stewards. Vos brother, vous devez le faire. Dites au frère. This day is C'est difficile. Let me see how I can pay small small. Laissez-moi voir comment je peux vous payer petit à petit. Ça amène la paix. The brother can pray. Le frère peut prier. Some of you, our problem is not even to fast. Certains de nos prières, on n'a même pas besoin de prier. C'est d'arranger des petites choses. The things are open up. Et les choses s'ouvrent. But you have those things and you are fasting on the mountain. Mais vous avez ces choses et vous allez jeûner à la montagne. Amen. Amen. And you're coming here, Operation Atira. Et vous venez ici, Opération Atira. You bring in an envelope, nothing will happen. Don't bring rien n'arrivera, n'apportez pas. Fix your problem first. Arrangez d'abord vos problèmes, arrangez. Arrangez-les. I'm not a sangoma here. Je ne suis pas un féticheur ici. I'm serious. Oui, je suis sérieux. I'm not a sangoma. Je ne suis pas un féticheur. We are working with God by principle. Nous travaillons avec Dieu avec ses principes. Amen. As a servant, en tant que servant, when you come, I trust you. Quand vous venez, je and I pray God believing your faith. Et je prie à Dieu pour vous. Do it for you. Fera cela pour vous. Can you say amen? When you sow your seed, quand vous sèmez votre what multiply your seed is your faith. Ce qui multiplie votre semence, c'est votre foi. Can you say amen? But you have to sow. Mais vous devez semer. That's why a Christian must also have some savings. C'est pourquoi un chrétien doit avoir des épargnes. Amen. Savings. Des épargnes. For bad time. Pour des mauvais temps. Somebody said. Quelqu'un dit. The society today. La société aujourd'hui. It is for poor people who want to look like rich. C'est les pauvres qui veulent ressembler comme des riches. You look at their hair, their hair. Vous regardez leurs cheveux, leurs chaussures. Especially when you go to Congo. Et surtout si vous allez au Congo. Suit. Les vestes. But when you enter the place they are living. Mais quand vous rentrez là où ils vivent. But when you come. Mais si vous venez. You say I come from South Africa. Vous dites, je viens de l'Afrique ici. Et vous regardez à Because that's the way they think you are rich. Parce que c'est parce qu'ils pensent que vous êtes riche. Because rich people look poor, but they are getting rich. Mais les riches semblent être pauvres, mais ils sont riches. Ça c'est la société. Amen. They look poor. Ils semblent être pauvres. Look at them when you look at their picture. Regardez-les comme regardez leur photo. They don't go to buy fake Versaces. Ils ne partent pas acheter des Versaces. Louis Vuitton. Non. It's an African mind. Ça c'est la pensée africaine de l'esclavage. Amen. Because we Africans. Parce que nous les Africains. We have even complex for the light white men. Nous sommes complexés des blancs. Amen. That's why when Indians come to Congo, c'est pourquoi quand les Indiens viennent au Congo, they come with slippers. Ils viennent avec les gommes, small bag, un petit sac, from the streets of India. De la rue de l'Inde. Tomorrow they are becoming boss. Demain ils deviennent des patrons. Because the person from there, parce que la personne qui est là, c'est boss. Because the color is white. Parce que la couleur c'est blanc. But me when I come, mais moi quand je suis venu, they don't think I have an asset. Ils ne pensent pas que j'ai des habitudes capacité parce que je ressemble à eux. That's why you can't be blessed here because I look like you. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être béni ici parce que je ressemble à vous. Alléluia. I look like you. You want the white man when you come from Africa? Les gens vont se rencontrer ici. They think that money will be falling down. Ils pensent que l'argent va tomber de la manière. Alléluia. That is slavery. Ça c'est la mentalité. Change your mind. Changez votre esprit. Believe in God. Croyez en Dieu. And believe in what He has given you. Croyez à ce qu'il vous a donné. Alléluia.
Anybody can pray for you. It is your faith that brings the result. It's not an American. And you say amen. If you are honest, we pray for you. God will open up. Your seed will multiply. Amen. Amen. Mais je ne veux pas les solutions. Vous avez les solutions en vous-même. Amen. 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 N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. That's why contentment. C'est pourquoi se contenter. It is a very good thing for Christians. Est une très bonne chose pour les chrétiens. Say amen. Dites amen. Because when you have too much debt. Parce que quand vous avez trop de dettes. You cannot pay. Vous ne pouvez pas payer. It means you are greedy. Ça veut dire que vous êtes avare. L'argent, ce n'est pas mauvais. L'amour de l'argent. Your attitude. Votre attitude. You see, when you have money. Vous voyez quand vous avez l'argent. You know that money bring out who we are. Vous savez que l'argent fait sortir ce que nous sommes. Oh non, j'attends que j'aurai beaucoup. Et je commencerai à donner. J'ai rencontré des telles personnes. Non, pasteur. Eux, ils doivent donner. Nous, nous sommes pauvres. Hein? Tu confesses déjà qu'il fait que pauvre. La pauvreté n'est pas un. I'm not preaching that everybody will be rich. Je ne prêche pas que tout le monde sera rich. Même dans l'église de Jésus, il y avait les pauvres. Even the riches itself is your attitude. Même les richesses en soi, c'est bonne attitude. When you have peace, you are rich. Quand vous avez la paix, vous êtes riche. Si vous avez l'argent, vous êtes riche. So don't think only on money. Alors, ne pensez seulement en argent. Il peut y avoir des grosses voitures, des grosses voitures, mais ils ne sont pas riches. Mais je ne dis pas que c'est là avoir une voiture. Non. Vous êtes un homme de Dieu. Et une bonne. Amen. But the love of money, mais l'amour d'argent, you can overwork. Vous pouvez travailler à fond. Your soul, it doesn't matter. Votre âme n'a pas d'importance. Mais pour l'argent, that is what drives your mind. C'est ce qui conduit votre esprit. Je veux l'argent. You want it. Je veux. When we started in this message, quand on avait commencé dans ce message, government in DRC, they were taking brandy mines. Le gouvernement, they know they en MSC prenait les points du message. Until we get started, ils ont été infiltrés. Jusqu'à ce que nous avons été infiltrés. The last generation here. La dernière génération ici. One is a governor. Et c'était the worst of all of them. Le pire de tous. The other one, they give him a director to a big company. L'autre, on l'a donné directeur d'une grande société. He stole money. Il a volé l'argent là-bas. L'amour d'argent, c'est la racine. Amen. Amen. But money itself is not bad. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. If I got money, si j'ai l'argent, if I have a giving nature, si j'ai une nature de donner, money will bring out that nature. L'argent fera sortir cette nature. Amen. Amen. But if I'm proud, mais si je suis orgueilleux, just let me get it. Laissez-moi obtenir cela. Everybody will hear. Tout le monde entendra. Alléluia, alléluia. Even my English, même en anglais. I wish to speak to you. I'm not speaking English. Ma façon de vous parler. I've met those people. J'ai rencontré ces gens de personnes. Amen. Amen. Mais frère, la dit. Through humility. À travers l'humilité. Amen. When you meet people. Amen. Comment rencontrer les gens? With a suit. Quelqu'un avec une veste. I'm dressing somebody with a one overall. Qui en voit avec quelqu'un qui a une veste. Ça c'est le point. Because you don't measure the brother by what he has. Parce que vous ne mesurez pas le frère par ce qu'il a. You measure him by what God is in him. Vous ne mesurez par ce que la quantité de Dieu en lui. Amen. Amen. So we don't do discrimination. Alors, on ne fait pas de discrimination. This have, this don't have. Ceux-ci ont, ceux-là n'ont pas. They told me something happened. On m'a dit que quelque chose s'est passé ici. Non, it's happened. Et en train de se passer. Somebody said. Qu'est-ce qu'a dit? No scripture to stop us. N'y a-t-il pas une écriture pour arrêter cela? I don't say. Il ne dirait pas qui. I said, I don't find the scripture. Il dit, je ne trouve pas l'écriture. Leave it. Laisse cela. Jusqu'à ce que ça s'est empiré, et alors je vais arrêter cela. If somebody is doing good, si quelqu'un fait du bien, why must I find scripture to stop? Pourquoi dois-je chercher une écriture d'arrêter cela? If you can do, don't stop anybody. Si toi tu ne peux pas faire, n'arrête personne de le faire. Amen. Amen.
If I can't do something, si je ne peux pas faire quelque chose, my brother to do it. J'aimerais que mon frère le fasse. And I will be happy. He does it. Et je serai curieux qu'il le fasse. Amen. Amen. The shoes I'm wearing is sister girl. La chaussure que je porte ici, c'est une chaussure de la vie. Si je venais ici, il dirait, je ne mets pas. Je ne mets pas les chaussures, ma mère. Amen. Amen. So giving is good. Alors donner, c'est bien. So if there is a group of persons, they say it is better we help. Alors s'il y a une des personnes qui dit que c'est mieux que nous, on puisse t'aider. Maybe they are doing what the deacon does. Peut-être qu'ils font ce que les diacres ne font pas. I cannot stop it because. Je ne peux pas arrêter cela parce que. Stop it. On doit arrêter cela. Yeah. Moi, je ne suis pas comme ça. I watch. Je regarde. J'observe. Mais quand ça devient, I see je vois conflict, les conflits, then I alors j'ai l'écriture d'arrêter cela. When there is no conflict, s'il n'y a pas de conflit, when it's peaceful, quand c'est la when paix, it bless the people, quand ça bénit le peuple, it might be a gift in somebody to do that. Ça doit être un don dans quelqu'un de le faire. Deborah in the Bible was gifted to do. Les entretiens dans la Bible étaient doués. Deborah. À Deborah dans la Bible. Until when she died. On a dit qu'on ne va pas l'enterrer. We're waiting for Peter. On attend Pierre. When Peter come, quand Pierre est venu, Father Timothy said, you see this suit. Le frère Timothée a dit, tu as vu cette veste? C'est elle qui a fait ça. Notre sœur, see this. Tu vois ceci? She cannot die. Elle ne peut pas mourir. She has done this. Elle a fait ceci. The testimony. Le témoignage. Because of the miracle. Because of the good that she did. À cause du bien qu'elle avait fait. So don't think that I'm sleeping, I'm watching. Alors ne pensez pas que je dors, je suis en train d'observer. Alléluia. Alléluia. And I'm standing in the threshold where I'm dealing too much conflict. Et je me tiens là où je traite avec beaucoup de conflit. And I'm quiet. Je suis calme. Amen. Amen. Et nous comme pour nous. Je vous apprends pour le Seigneur. I'm still having some minutes. J'ai encore quelques minutes. Now let me read your prophet. Maintenant, laissez-moi lire votre prophète. In the message, new minister. Dans le message, nouveau ministère. He said, il dit, Reach 1959-06 April. Monsieur le 6 avril 1959. He said, il dit, I don't know even the reporter something for that. I would ask you, je vous demanderai, would be a prayer for me before you lay down tonight. Une prière pour moi avant de vous coucher. Pardon. Was asking them to pray. Frère Branham, that God will keep me humble in my heart. Que Dieu me garde humble dans mon cœur. And will help me. Et m'aidera. And bless me. Et me bénira. So that afin que I could be a blessing to you people. Je peux être une bénédiction pour vous, le peuple. I found out. J'ai découvert that the greatest blessing in life. Que la plus grande bénédiction dans la vie is giving out something. C'est donner quelque chose. Amen. Not in receiving, pas en recevant, but in giving, mais en donnant. Amen. What you do for others, ce que vous faites pour les autres, what means so much, c'est ce qui signifie amen. Beaucoup. Say amen. Dites amen. Your prophet, the greatest blessing is what? Votre prophète, la plus grande bénédiction, c'est quoi? Giving. C'est donner. It is Bible that says that. C'est la Bible qui dit dans le livre des Actes. There is a blessing in giving than receiving. Il y a une bénédiction en donnant que de recevoir. Because when you are just receiving. Parce que quand vous êtes juste recevoir. Je reçois. You live on the lower level. Vous allez vivre sur le niveau bas. The one that gives. Et celui qui donne. Amen. Amen. Dr. Branham said there is eternal life for everything that we for others. Il y a la vie éternelle pour tout ce qui vit pour les autres. Le soleil se lève chaque matin. Nobody pays. Personne ne le paye. Even if you insult him, même si vous l'insultez, vous ne l'aimez pas. You are too old. Tu es trop vieux. It passes. Ça passe. Next morning, le matin suivant, it come again. Ça revient encore. The tree, l'arbre, give you fruit in every season. Vous donnez des fruits dans chaque saison. Because God knows that some of us, frère Branham, certains d'entre nous, we are eating, nous mangeons, we are not even looking up. On ne regarde même pas où. Where it's coming from? Là où ça vient. You just consume. Vous êtes juste en train de consommer. Amen. Amen. Christian are not consumers. Les chrétiens ne sont pas juste consommateurs. Give out, vous donnez, and you get back. Et vous recevez. What you give up, ce que vous donnez, you get rid. Vous recevez en retour. La Bible says, throw your bread on the water. La Bible dit, jetez votre pain dans l'eau. You get it somewhere. Vous l'aurez quelque part. Every blessing will meet you. Toute bénédiction.
C'est pour ta bénédiction pour rencontrer là. Tu as annoncé even the blessing that you produce by maybe by building a church. Même les bénédictions que vous produisez peut-être en construisant une église. Et c'est some it will be counted on those souls for you in heaven. Il dit ça sera compté, ces âmes là seront comptées pour vous au ciel. Let me read. Laissez-moi lire. Okay. Il s'est dit, il dit Jehovah of miracles. Jehovah des miracles. He said, "From I just made a promise in my heart." Il dit, j'ai fait juste une promesse dans mon cœur. I will never going to try to stop anyone that wanted to give something to the kingdom of God. Je ne serai jamais d'arrêter quelqu'un qui essaierait de donner quelque chose pour le royaume de Dieu. Jehovah of Miracle, 26 November 1959. Le 26 novembre 1959. Par will never stop. Frère Branham n'arrêtera jamais. And me, I will not stop. Et moi, je n'arrêterai jamais. Amen. Amen. He said, "I've did it in many times." Il dit, je l'ai fait beaucoup de fois. Turn it down just as fast as I could. Je l'ai refusé aussi vite que je pouvais. I've realized that I've robbed people. J'ai réalisé que j'ai volé des gens. By doing that, en le faisant. Amen. Vous ne dites plus amen. Only the giver must say. C'est seulement les donateurs qui disent amen. When Brother Branham didn't receive, quand Frère Branham ne recevait pas, he realized he robbed people. Il a réalisé qu'il a volé aux gens. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. Because God had a program for that. Parce que Dieu avait un programme pour cela. He wouldn't have put it. Il ne devait pas mettre cela. I don't believe in begging. Je ne crois pas dans, en mendiant. Say amen. Dites amen. Il n'y a pas de mendiants dans la maison de Dieu. Vous êtes toujours là. Non. No, sir. Non, monsieur. I don't believe in prayer. Je ne crois pas en mendiant. Or people, but just tell the people. Juste dire aux gens. I believe just tell the people. Je crois juste à dire aux gens. And let it be like that. Et que ça soit ainsi. God take care of the rest of it. Dieu prend soin du reste. Ça a été mon principe. Vous ne me verrez jamais vous suivre à la maison. Hein? Je ne suis pas les gens. Et ma soeur m'a condamné. Il s'est dit, you are kif-kif. I don't even know what it means, kif-kif. Amen. Amen. Sometimes it's good that quelquefois c'est bien comme ça. In the job that I'm doing, dans le travail que je fais, I don't believe in that. Je ne crois pas dans cela. I believe. Je crois. If God put me here, si Dieu m'a placé ici, God will take it. Dieu prendra soin. God is taking care. Et Dieu est en train de prendre soin. With the 20% of people that does it, avec les 20% des gens qui font cela, life is good. La vie avance. Mais, we don't believe in baby. Frère Branham dit, nous ne croyons pas even for the baby. Même pour les bâtiments, for buying, même pour acheter. We tell you. Nous vous disons. And you. Et vous, if you have God in you, si vous avez Dieu en vous, if you are convinced, si vous êtes convaincu, you will bring out some. Vous ferez sortir quelque chose. Trustees must not follow you at home. Les administrateurs ne doivent pas vous suivre à la maison. Or you have this habit that I see in some of you. Vous avez cette habitude que j'ai vue dans certains d'entre vous. He's giving, but he's counting. Il donne, mais il est en train de compter. And end of the year. Et à la fin de l'année, Pastor, je suis venu emprunter à l'église de Christ pour nous tous. Emprunter. And take over everything that he gave me. Et il prend tout ce qu'il a déjà donné. He went. Il est parti. Because when they ask him to pay, he doesn't pay. Quand on demande de payer, il ne paye pas. Alléluia. But you pay, you pay. We found out and we know. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Because God has a program. Parce que Dieu a un programme. No, sir, I don't believe in begging. Non, monsieur, je ne crois pas en just tell the people and let it be like that. Juste aux gens et oh, like take care of the rest. Dieu prendra soin du reste. Do you believe that? Voyez-vous cela? Sure, it does. Sûrement, il le fait. He put it upon the people. Il le place, il met le poste dans le cœur. But many times I think, mais beaucoup de fois je pense, he put it on their heart to do something. Il place cela dans leur cœur pour faire quelque chose. And then I've turned around and conflicted with that by saying, et je suis retourné en conflit avec cela en disant, no, I will not take it. Non, je ne vais pas prendre. No, sir, I will not do it. Non, monsieur, je ne le ferai and pas. I think about Jesus. Et j'ai pensé sur Jésus. With that little widow putting in
avec cette petite veuve, mettant tout ce qu'elle avait, three pennies, trois deniers, and thousands of dollars the rich man had put in, et des milliers de dollars que l'homme riche avait mis, but he never stopped. Mais il ne l'a pas arrêté. Let her go right on. Il l'a laissé continuer. Because he knows what he was going to do for her. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire pour elle. Is the pastor doing for her? No. Est-ce que c'est le pasteur qui fait pour elle? Non. God knows what you will do for her. Dieu sait ce qu'il fera pour elle. Because she value him. Parce qu'elle a donné de la valeur. She said, God gave me much. Give me life. Give me strength. Give me breath. Protect me from corona. Protect my children. Protect my family. I have this substance. I give it to him. And this, he knows what God will do. Et il sait ce que Dieu fera. Alléluia. Alléluia. There is no worship without a gift. Il n'y a pas d'adoration sans don. Even Cain came with a gift. Cain était venu avec un don. Say amen. Yeah. Amen. When they came the first worship, ils étaient venus pour la they brought a gift. Ils ont apporté des when Israel sons. Was coming, God told them, bring, apportez. Don't come empty. Ne venez pas même vite. Bravo, non. Bring something. Apportez quelque chose. You bring yourself. Vous vous apportez vous-même une signation. Quand vous chantez un chant, vous avez apporté un don. I'm not talking only money. Je ne parle pas seulement de l'argent. You bring a gift to God. Vous apportez un don à Dieu. To appreciate. Pour apprécier. And that gift. Et ce don will put a pressure. Va mettre la pression. On God. Sur Dieu. To say this one is no substance. Pour dire que ceci n'a pas de substance. Let me repay it back. Laisse-moi repayer. The miracle happened somewhere. Le miracle s'est passé quelque part. The brother was very faithful. Le frère était très fidèle. Everything with God. Toute chose avec Dieu. He missed something, a payment with the bank. Il a manqué un paiement avec la banque. 300 value of maybe 3000 rand, something like that. C'était une valeur de 3000 rand, quelque chose comme ça. He didn't bring a request in church. Il n'a pas apporté la requête à l'église. Just pray God. Il a prié à Dieu. The possession is coming. Ah, ils vont me posséder. Je suis dans les problèmes ici, mon salaire. Amen. Amen. One day he comes in church. Mais il vient venir à l'église. The brother. Le frère. He didn't even see the brother. Il n'a même pas vu le frère. Took an envelope. Pris une enveloppe. Give to the pastor. Il a donné au pasteur. So he give that brother. Il dit donne à ce frère. I just feel that to give him that. Et j'ai senti lui donner cela. And the pastor said, no, brother. So and so. Le pasteur dit. Le pasteur dit. Il dit tiens. Il lui a pas dit si c'est des gens. Dit à personne. Quand le frère est allé, il a ouvert. There was only 25 rand short to pay that bill. Il y avait seulement 25 rand qui manquaient pour payer cette facture. Amen. Et il est venu témoigner. Amen. Amen. David a dit. David a dit. I've never seen a righteous man being forsaken. Vous avez vu un juste être abandonné. Vous mangez son pain. Try me. Frère madame dit, éprouvez-moi. You see what I will do. Et vous verrez ce que je fais. You are not trying the pastor. Vous n'éprouvez pas le pasteur. You are trying your father. Vous éprouvez votre père. Your father is God. Votre père c'est Dieu. The pastor. Pas le pasteur. Me, I'm the employee. Moi je suis l'employé. Alléluia, alléluia. Few minutes remaining for me, let me. Quelques minutes me restent, laissez-moi. Move fast. Avancez vite. So do we understand? Alors comprenons nous. Giving to God. Donner à Dieu. But the Bible says in this message. Frère Madame dit dans ce message. He said, you must give the best. Il dit, vous devez donner le meilleur. Amen. Amen. If God tell you. Si Dieu vous dit. Take this. Prends ceci. Give to brother Timothy. Donne à frère Timothy. Don't go fast. Ne va pas gêner. For you, for God to change his mind, for you to give him something. Pour que tu changes ta pensée, pour que tu lui donnes quelque chose d'autre. Say, no, tu dis, Seigneur, I love these glasses. J'aime ces lunettes. Can I not give him a Bible? Ne puis-je pas lui donner la Bible? He said, give him those glasses. Il dit, donne-lui les lunettes. I told you about Bartimaeus. Je vous ai parlé de Bartimaeus. When he went to the priest. Quand il est allé au prêtre. The priest, you can't give this lamb to your I promise God. How will you walk? God will provide. Amen. If
promised God to give his daughter to give the dog. Il a promis à Dieu que s'il guérissait sa fille, il va donner la colombe. Il a donné cette colombe. Alléluia. Alléluia. Until the miraculous meet him on the way back. Parce que le miraculeux l'a rencontré. And brother Manasseh was coming from the temple. After he offered that, après avoir offert, he sat on a stone. Il s'est assis sur une pierre. William Branham even commented. William Branham commented. He said it was one of the stones. Il dit c'était l'une des pierres. His forefather in Jericho. When the wall of Jericho fell. Who he was sitting say amen. Stealing all the stone of something that God has done. Hallelujah. He was blind and started hearing noise. What is going on? They say there is this prophet. His name is Jesus of Nazareth. Hallelujah. The man has not learned to lead him. He has honored God. And then he meets Jesus. William Branham said there was too many people. William Branham, it was noisy. But he cried, Son of David, Son of David. Brother Branham said in the natural, Jesus could not hear. But he could hear the cry of faith. Because it was coming from the heart. Jesus stopped. If you are in the right line, your faith can stop him. That's why I say, fix your problem. Your faith can stop him. Hallelujah. If you have been greedy, loving money, stingy, say, Lord, I will now correct that. Now you cry to heaven. Your faith must stop you. And Jesus gave him his sight. Et Jésus lui a donné sa vue. Amen. That's what we believe. C'est ce que nous croyons. We believe in principle. Nous croyons dans les principes. Amen. 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 You have defrauded brothers, fix. Vous avez volé les frères, arrangez. Trompez, arrangez. That's true. Don't come here, pastor. Since I give that envelope. Ne venez pas ici, pasteur, depuis que j'avais donné cette enveloppe-là. I even say the envelope is not mine. J'ai même dit que l'enveloppe n'est pas pour moi. For them to buy something from you. C'est pour qu'ils achètent quelque chose. Here, Brother Manon is telling us about the story. Et si Frère Manon nous raconte une histoire, listen this story that we close. Écoutez cette histoire, alors nous allons fermer. Amen. Amen. He said, in the message, faith without work is dead. Il dit, dans le message, la foi sans les yeux est mort. He said, I just want to make this statement. Il dit, je veux juste faire cette déclaration. I've been just a little leery about saying. J'étais un peu. But tonight, I just feel a bit stressed. Mais aujourd'hui, je me sens un peu courageux. I don't know whether you've noticed it or not. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela ou pas. That's a suit a sister gave me. Oh, c'est la veste que la sœur m'a donnée. I appreciate it very much. J'apprécie cela beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. That's God bless that sister. Et Dieu bénisse cette sœur. Protection 6, hein? Paragraphe 6. Thank you all. Merci à tous. Don't be quiet because you think I will ask for something. Ne restez pas calme parce que vous avez pensé que je vais demander la veste. Non. Amen. You've already given me 2 in here. Amen. On m'a déjà donné 2 en l'air ici. So I have enough. Alors j'ai assez. What did you bring it back? Mais si tu as pensé, c'est bien. Amen. Amen. People send and give me nice ties. Les gens envoient et me donnent des bons cravates, shirts, des chemises, socks, des chaussettes. That meant your prophet. Il dit, amen à votre prophète. He said, I was a little afraid to say something about it from the platform. Il dit, j'avais un peu peur de dire quelque chose sur cela. Maybe somebody thought. Peut-être que quelqu'un a pensé. J'étais. Somebody will get the wrong impression. Quelqu'un aurait une mauvaise intention. Who got the wrong impression? Quelle mauvaise impression? People wrong impression. Les gens avaient une mauvaise impression. Amen. Amen. That I was just saying because. Je disais juste peut-être parce que. He said, oh no. Il dit, oh no. Just don't think that. Ne pensez pas cela. But it's so appreciated. Mais c'est pour apprécier. I just could not let the people do things like that. Je ne pouvais pas juste laisser les gens faire un peu. Let me not mention it. Et moi, ne vais pas le mentionner. In some way. D'une manière. You know, vous savez, some of don't even put their address on it. Certains ne mettent même pas leur adresse sur ça.
Remember, I was in Zambia. Je suis venu, j'étais en Zambie. I was there. J'étais là. Finance finished. Les finances terminées. The brother sent me 5,000. Un père m'a envoyé 5,000 ici. Why can't I say thank you? Pourquoi ne peux-je pas dire merci? Why can't I say God bless you? Pourquoi je ne puis-je pas dire que Dieu le bénit? Increase in my man. Il augmente. Amen. When I'm saying to my God, I say God. Quand je dis à mon Dieu, je dis Dieu. Même pas cette place. C'est toi. Cette place là. Alléluia. Alléluia. It is part of the way. Ça fait partie de la parole. Il dit, I couldn't say the woman's name. Il dit, je ne pouvais pas citer le nom de la femme. That brought me that suit of clothes. Qui a acheté pour moi cette veste? I could not never let the right hand. Je ne pouvais pas laisser la main droite. Know what the left hand was doing. Savoir ce que la main gauche faisait. I suppose. Je suppose. But I appreciate it from the depth of my heart. Mais j'apprécie cela du plus profond de mon cœur. I say this, my dear sister. Ma chère sœur, je dis ceci. And to all of you others. Et à vous tous, les autres. You never give anything to anyone in life. Vous ne donnez rien. Quelque chose à quelqu'un dans la vie. In your life that appreciated in any more than I do. Qui, dans la vie, qui appréciait plus que moi. That's right, I do. C'est juste, j'apprécie. And the Bible says, in as much as you have done unto the least. Et la Bible dit, plus vous faites au plus petit, il put in bracket, il a mis that's me. En parenthèse, ça c'est moi. He put himself in the scripture. Il s'est placé dans l'écriture lui-même. And my little one, et à mes plus petits, you have done it to me. Vous l'avez fait à moi. Who received the righteous man in the name of a righteous man, receive the righteous man reward. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, le juste reçoit la récompense du juste. Amen, c'est amen. Amen, dites amen. Whosoever receive a prophet in the name of prophet, receive the reward of the prophet. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Now I trust God will return it to you 100-fold. Maintenant, je confie en Dieu qu'il vous remboursera. Amen. If you believe that, I'm sure if God let me keep my right mind, je suis sûr si Dieu me reste mes gardes, I will never be in the bar room and things with it on. Je ne serai pas dans les bars avec cela. Avec la moi. God, they give you something good. On te donne une bonne chose. You go to play loto. Tu vas jouer le loto. But brother, take a hundred rand for transport. You brother, take 500 rand pour le transport. Tu vas pour éviter vite pour jouer le loto. Amen. Getting quick rich. Hey, rich quick. Devenir riche rapidement. Amen. I think God is in my crew. Amen. Amen. You must work for it. Vous devez travailler pour cela. But when I say I will not put the suit and go in bar. Je ne vais pas me vêtir de cette veste et aller dans un bar. Because I don't go to those places. Parce que je ne vais pas dans ces endroits. Never was in one. Je n'ai jamais été dans l'une. I only go to church. Et je ne vais qu'à l'église. To my home. Dans ma maison. To visit the sick. Et à visiter les malades. That's where I go. C'est là où je pars. And I trust God while preaching in this suit. Et j'ai confiance. Je confie en Dieu pendant que je prie avec cette veste. He will let me win thousands of people. Il me fera gagner des milliers de personnes. And I pray that the Holy Spirit will so anoint. Mais je dis que le Saint-Esprit va poindre tellement. Nice suit, nice anointing. Une bonne veste, une bonne option. That those people who even come by. Et ces gens-là qui ne sont pas venus. Many of them as they did in Arkansas. Beaucoup d'entre eux comme ils ont fait Arkansas. And they touch. Et ils ont touché. Les suit dans des chiffres qui viennent. They will be healed by His glory. Par la gloire de sa puissance. Amen. Dites amen. And in glory. Et dans la gloire. And in glory now. Et maintenant dans la gloire. Because of that soul. À cause de when this life is finished. Quand cette vie terminera. And our eighth journey is over. Notre voyage terrestre. I hope I'm standing near. J'espère que je me tiendrai. When I see Him. Quand je le verrai. Put a great robe on you. Une robe sur vous. I will bow my head to the Father. I thank you, Lord, for you. Merci, Seigneur, pour clothing you in righteousness. Vous habillant dans la justice. God ever be with you is my prayer. Amen. Amen. One time I thought it was not right to receive a present. Une fois j'avais pensé que ce n'était pas mieux de recevoir des cadeaux. Someone give you. Quelqu'un vous donne. Brother Chari, the man corrected me. Frère Chari, un homme m'a corrigé. On that, he said, sur cela, il a dit. Brother Branham, hey, Branham, I hate to correct you on anything. Je hais de te corriger sur quelque chose. But say, mais il a dit, you are mistaken there. Tu t'es trompé là. He said, you have caused those people by not believing their presence. Il dit, tu es.
tu as poussé ces gens-là à ne pas recevoir leur cadeau. You caused them to lose their reward. Tu les as poussé à perdre leur récompense. He said, it is more blessed to give than it is to receive. Il y a plus de bénédiction à donner que de recevoir. It is blessed to give than to receive. Il y a plus de bénédiction à donner que de recevoir. Then he told me his story. Et alors il m'a raconté son histoire. C'est là où nous allons faire le jeu. I just believe I will tell this right. Je crois que je vais juste raconter cela. I just come to my mind for a moment. Et je suis en moi pour un moment. Charit from Arizona. Charit d'Arizona. One of the business manager of my campaign. L'un des hommes d'affaires de mes campagnes. Many of you have met him, no doubt. If certains d'entre vous l'ont rencontré. If anybody will happen to know Brother Charit, s'il y a quelqu'un ici qui connaît très Charit, well, Charit from Arizona, Phoenix. Charit d'Arizona de Phoenix is a product of God's Bible School in Cincinnati, Ohio. C'est un produit de l'école biblique de Cincinnati. 9, we go to the next verse, 9. Je vais chapitre 9, paragraphe 9. So, brother Charit, alors, frère Charit, he was born of a fellow that didn't have much of the world's good. Il était né d'un père qui n'avait pas assez. His father was a very poor man. Son père était un homme très pauvre. So if you are poor today, alors si aujourd'hui vous êtes pauvre, you are not condemned to remain poor. Vous n'êtes pas condamné à rester pauvre. Unless you believe you remain like that. Au moins que vous croyez que vous resterez comme ça. But you must change your mind. Mais vous devez changer votre. You must believe God. Vous devez croire. You must go to work. Vous devez aller travailler. Amen. Amen. He was very rowdy. And he left his mother and John Charit about 15 years ago. Et il a laissé sa mère, John Charit, environ 50 ans passés, 15 ans passés. He was selling apples. Il vendait des pommes. At the little abyss out of Franklin in the Saint-Louis, Missouri. À Saint-Louis, Missouri. And he couldn't have a cart to take care of his mother. Et il ne pouvait pas avoir un chariot pour l'amener avec sa mère. He had an impediment of speech. Il avait des difficultés de parler. And he couldn't talk at all. Il ne pouvait pas parler du tout. If you go talking, si vous voulez qu'il parle, si vous lui parlez, il just said just. Si vous lui parlez, il s'est réveillé. He try again. Il essaie encore. And like if he was going to say, comme s'il allait dire, good evening, bonsoir, he would say, il dira, But the random makes an intelligible noise. Fait pendant fait and he waits for a while. He said, il attend pour un moment. That's the way about he tried to get it. It was awful bad. C'est de cette façon qu'il essayait de le faire. C'était un oiseau bizarre. But he began to seek the Lord. Mais il a commencé à chercher le Seigneur. When he was a boy. Quand il était un garçon. All the boy was running out with different places with young ladies. Tous les garçons sortaient avec des filles partout. He said, Lord. Mais il dit, Seigneur, I am going to trust you. Je vais avoir confiance en toi. I will be awful on out trying to talk to the young ladies. Je serai affreux de parler aux jeunes filles. Because he can't speak. Parce qu'il ne peut pas parler. How will he say this? Comment dira-t-il à une sœur? Vous voyez? It will be awful to talk to a lady. Ça sera affreux de parler à une dame. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. Talk to ladies, but he said to God, mais il a dit à Dieu, je ne peux pas parler aux filles, I want to be married and have mais je veux me marier et avoir des enfants, and I'm going to serve. Et je vais te servir. You God give me a wife. Toi Dieu donne-moi une femme. He committed it to the Lord. Il a abandonné cela au Seigneur. At age about 25. À l'âge d'environ 25 ans. He could have passed every woman in the world. Il pouvait passer toute femme dans le monde. He could not have a better one than what is called. Il ne pouvait pas avoir une meilleure que celle qu'il a. Say amen for him. Dites amen pour lui. God give him a lovely little Spaniard. Dieu lui a donné une espagnole aimant. But one great thing, he loved children. Mais une très grande chose, il aime les enfants. Il aimait. She was barren. Et elle était stérile. He was married for many years. Il était marié pendant beaucoup de temps. No children. 6, 7 ans, 10 ans, pas d'enfant. Look at his job. Regarde son travail. He cut concrete on the street. Il coupait les concrets dans les rues. 25 cents to make a living. 25 cents pour vivre avec. 25 cents of US dollar today is how much? 25 cents en dollars. Aujourd'hui c'est combien? 14 rand divided by 4. C'est 14 rennes divisé par 4. That was an hour. Ça, c'était par heure. Amen. Amen. Hey.
Amen. 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 It was difficult, hein? C'était difficile, hein? To make a living. And they saved their money. Ils ont épargné leur argent. And did the three-room house. Et ils ont acheté une maison à trois chambres. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. I'm reading this thing for you to know. Je dis ces choses afin que tu saches. Having an hour 25 cents. Il était payé par heure 25 cents. But he was saving. Mais il épargnait. Amen. In that 25 cents. Dans ces 25 cents. Oh, my money is small. Oh, mon argent c'est peu. He was saving. Il épargnait. And he bought a house. Et il a acheté une maison. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. Buy houses, you people. Achetez les maisons. Amen. Amen. A three-room house. Une maison à trois chambres. I think it cost about $1,500. Je pense que ça a coûté $1,500. Combien épargnait-il? In the time of depression. Au temps de la dépression. They paid and they paid. Ils ont payé et ils ont payé. They stayed. Ils ont payé. Ils ont payé et ils ont payé. Until they paid it all off. Jusqu'à ce qu'ils ont tout payé. But just about the time they got it paid off. Mais pendant au moment qu'ils avaient, ils étaient prêts de tout payer. Ah, God is good. Ah, Dieu est bon. They had a revival in Phoenix. Ils ont eu un réveil. There was a man by the name of Dr. Sutton. Il y avait un homme au nom de Dr. Sutton. Don't know whether you know him or not. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. He was by birth a Canadian. Par naissance, il était Canadien. Richard came down there to Phoenix. Un prédicateur de l'évangile qui sont mis là-bas pour lui. Il tourist camp. Il restait au camp des touristes. And the Lord. Et le Seigneur. A pied tout près de Charlie. À Paris, à Père Charlie. Il est venu. Il sait tout. Dans un rêve, lui a dit. Take your silverware. Hein? Your assiette. Prends tes assiettes et tes habits. Your wife. Et ta femme. And leave your home. Et quitte ta maison. And then that over to Brother Sutton. Donne cela à Père Sutton. Et. De donner cette maison à Dr. Sutton, which was the well-known minister, qui était un ministre bien connu. Brother Charit said, "All right, Lord." Frère Charit a dit, très bien, Seigneur. You see what I begin with? Vous voyez sur quoi j'ai commencé? Not information. Pas l'information. But conviction. Mais la conviction. The thing must come from your heart. La chose doit venir de votre cœur. The message must not just be information. Le message doit être l'information. You sit here for information. Vous allez vous asseoir ici pour l'information. But the logos. Mais le logos. Must take that information. And bring the reality. Et amener la réalité. So this brother. Alors ce frère. Was not just a shallow believer. N'était pas juste un croyant. Okay, Lord. Il dit très bien, Seigneur. I believe the wife also in the Holy Spirit. Je pense que la femme aussi avait le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez des douleurs, pasteur. He went to this little companion and said, Ali. Il est allé à sa petite compagnie et dit, chérie. Lord, I spoke to me. Le Seigneur m'a parlé. And told me to tell our household. Et m'a dit de donner notre maison. Just to take our silverware. De prendre juste nos and our clothes. Et nos habits. And give the house to Dr. Sutton. Et donner la maison à Dr. Sutton. When he went and told her. Quand il est allé dire là-bas. She said. Elle a dit. All right, dear. Très bien, chérie. God come for the sister. Acclamez pour la sœur. When the husband says, God has said, I will put 100,000 for the church. Je vais mettre 100,000 pour l'église. If the church is belong to you. L'église. What do you think? Which one do you want to have to show? Qu'est-ce que tu veux montrer? We have think the children do you for this shoes they take for the church. Les enfants. Vous savez, c'est quelque chose à fond comme je dis. I'm talking reality. Je parle de la réalité. We are not into fiction, we are saying reality. Nous ne sommes pas dans la fiction, nous parlons de la réalité. You must be Holy Spirit conviction. Tu dois avoir le Saint-Esprit, la conviction. You work hard. Vous travaillez, tu vous payez la maison. Donc cela. You say God. Vous direz Dieu. Something wrong. Quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Amen. He said, she said, what? All right, dear. Elle dit, she believed in her husband. Elle a cru dans son mari. She said, if the Lord said for you to do that, et ici le Seigneur t'a demandé de le God faire. God has got something else for us to do. Dieu a quelque chose d'autre pour nous. So she came on she said, alors elle a dit, he didn't have no place to take his wife. Elle n'avait aucun endroit là où amener sa femme. You see, this is a very difficult situation. Vous
voyez une situation très difficile. C'est bien que vous avez la réunion et bien nous allons partir à l'hôtel. Ils ont donné leur maison. But no way to go. Mais nulle part où aller. This kind of faith must be. Ce genre de foi doit être. Amen. Il n'y avait anywhere to go. Il n'avait nulle part où aller. That night, they found a tourist camp at the cost of 25 cents. Ils ont trouvé un camp, un camp de tourisme. They stayed in the tourist camp that night. Pendant 7 nuits, ils sont restés là-bas. Making 25 cents and now cutting concrete on the street. Et faisant 25 cents par heure en taillant les pierres dans les rues. What you pay that night? That means his salary for next day. Ça sera son salaire pour le jour suivant. Quand il ira travailler. That's right. Très bien. Working daily. Il travaille chaque jour. He's a great big man. C'est un grand monsieur. He worth about 200 pounds. Il a environ deux. Il paye environ 200. About a week later. Environ une semaine plus tard, some rich lady told him. Une dame riche lui a dit, when cutting the concrete, pendant qu'il coupait les dalles, she will move some of the things back in the garage. Qu'elle va amener, enlever certaines de ses choses de son garage. If he wanted, s'il voulait, to live in a garage, vivre dans son garage. Sister, sœur, say amen. Dit amen. You were having a house. Vous aviez votre maison de trois chambres. Your husband come. Votre mari vient. Told me, Dieu m'a dit. Let us live in that garage. Allons vivre dans ce garage. He said, up toward Carmel Mountain. Il dit vers le haut du Mont Carmel. He said it was kind of a big old aristocratical old aristocratic part of the camp. Il dit c'était environ une vieille un endroit aristocratique. It's like un endroit aristocratique. C'est comme Rosettenville. And then you find a sister from Santon. Et vous trouvez une sœur de Santon. Say, come to my garage. Elle dit, venez dans mon garage à Santon. Amen. She said, amen. Elle dit, if you keep my yard filled every evening. Et si vous garderez ma cour taillée chaque garage, soir, vous restez dans mon garage pas gratuitement. You cut my grass. Vous coupez mes herbes chaque soir. When you come in, quand vous rentrez, and you keep the grass water. Et vous arrosez. Ainsi de suite, you can live in my garage free. Et vous pouvez vivre dans mon garage gratuitement. Is it deal? Is it deal? Affaire close. He moved up there without one thing. Il est allé là-bas sans rien. He got some boxes. Il a eu quelques cartons. People with boxes. Les gens avec des cartons. This is for you. Ça c'est pour vous. Got him a spring and laid on the floor. Et il a vu une mousse sur le plancher. Il a mis le ressort, il a mis les sur le ressort. Amen. And got his mattress. Et il a pris sa mousse, ça devient son matelas. Put it and his wife, they slept there. Il a mis cela et avec sa femme, ils ont. Brother Soudon said, Brother Charit, I don't. Je t'ai dit. Je dis non. The Lord said for me to do that. Le Seigneur m'a demandé de le faire. That's right. C'est juste. He went on. Il a continué. He that way about a year. Il était comme ça pendant une année. You cannot even accept to sow a seed for 1 minute. Toi, tu ne peux même pas accepter de s'aimer une semence pour 1 minute. But this one a year. Mais celui-ci, une année. In the eye of Johannesburg. Aux yeux de Johannesburg. People will run from you. Les gens vont te fuir. Diront, Spirit of poverty. L'esprit de la pauvreté. Away from you. Loin de moi. Amen. Amen. Live the good Christian life. Il a vécu une bonne vie chrétienne. That the lady that lived with was a multimillionaire. Et finalement, la dame avec laquelle il habitait était une multimillionnaire. She seen his honesty. Elle a vu son honnêteté. He was a Christian. Il était un chrétien. Like Daniel down in Babylon. Comme Daniel là-bas à Babylon. Say amen, you Daniel in Babylon. Amen, vous Daniel à Babylon. She went up to him one day. Elle est allée à lui un jour. If the blessing is yours, nobody will stop. La bénédiction est pour vous, personne n'arrêtera cela. Écoutez, pas les justes sont promis par le Seigneur. To do in your life. Quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, c'est ce que j'ai dit. When your attitude and your mind, dans votre attitude et votre mentalité, just say, God give me the land. Vous dites Dieu donne le pays. Dieu m'a donné le pays. But you are not entering in the attitude of that promise. They are not yours. Mais tu n'entres pas dans l'attitude de cette promesse. Ce n'est pas pour vous. Because we always come. Parce que nous venons toujours. Promises are ours. Les promesses sont nôtres. When you're still in the wilderness.
Comme cet enfant dans le désert, vous n'avancez pas. Les promesses sont mais vous regardez au géant. Promesses sont liées. Promesses liées. Vous regardez au géant. You never get anything. Vous n'aurez rien. You see sometimes. Vous voyez quelquefois. That's why I say it depends on how you are looking at things. C'est pour vous dire ça dépend de comment vous regardez la chose. Some people are working. Certaines personnes travaillent. When I was doing construction. Quand j'étais dans la construction. One. Hein? For him. Pour lui. What interests him is salary. Ce qui lui intéresse c'est le salaire. When they ask him. Quand lui demande. Ah, you are doing a good job. Ah, tu fais un bon travail. Listen to the answer. Écoutez la réponse. Ah, this job, the salary. Ah, ce travail, le salaire. Yeah. Robert, you understand? Eh? Vous comprenez? Another one? L'autre? Hey, I see you are building that. Je vois que tu construis. Hein? You say, ah. Il dit ah. I want a job in the office. Je veux le travail au bureau. This job of bricklayer. Mais ce travail de briques, de poseur de briques. Another one? L'autre? Hey. You say, yeah, you see, hein? Il dit, ouais, vous voyez, building, we are building also there. On a construit ici, nous avons construit là-bas, on va construire l'église. People will come to worship. Les gens vont venir adorer. You understand? Vous comprenez? Trois personnes, on the same thing. Sur la même chose, c'est une différente vision. Trois visions différentes. That's how you look to your problem. C'est ainsi que vous regardez à votre problème. Amen. Because when God is sending you, parce que quand Dieu vous envoie, God put the ability. Je place des capacités. He told them, I have given il a dit que je vous ai donné. Écoutez le temps, comment faire dans la place là. The land is ours. Le pays est nôtre. But we don't get it without a fight. Mais nous ne faisons pas sans combat. Amen. Il n'y a aucun moyen. C'est pourquoi j'ai dit cette génération libre. Bon, né dans la liberté, in the message, dans le message, they want everything. Ils veulent toutes choses, eating the food of their father, mangeant la nourriture de leur père, de leur mère, no productive at all, pas de production du tout. Amen. Et nous arrivons cela au niveau de l'église. Parce que je ne veux pas vous attaquer. La même chose dans la maison. La mère prépare. What is this? Le chou. Qu'est-ce que ça? On mange toujours le chou. Where is the meat? Où est la viande? He never contribue. Il ne contribue jamais. But when the music must play right. Mais il veut que la musique puisse bien jouer. Le conducteur de chant doit bien jouer. Why the suit, you don't buy? Achetez-lui la messe, vous n'habitez pas. Like pourquoi le conducteur de chant vient comme ça? Why is that the suit? Pourquoi n'a-t-il pas les belles? Did you give him one? L'as-tu donné un? Alléluia. Je suis un prédicateur. Ça c'est mon travail. Mais... Listen. Écoutez. But the Lord told me to do it. Mais le Seigneur m'a dit de le faire. But the Lord said. Le Seigneur a dit to give it to you. Que je lui donne. And I noticed you've been a good, honest man. Et j'ai remarqué que tu es un homme bon et honnête. I seen you reading the Bible. J'étais venu lire la Bible. I bought a Bible and I was reading. Et j'ai la Bible et j'étais en train de lire. And the Lord told me. Et le Seigneur m'a dit ça c'est la parole. To give you a check. De te donner un chèque. To loan it to you. De te l'emprunter. Say amen. Qui t'amène? She didn't give him free. Et lui a pas donné gratuit. Amen. Amen. Parce que certainement, nous avons cette idée de gratuit. Je veux enlever l'idée de gratuit. You must work for those things. Vous devez travailler pour ça. Always say it well, well. Frère, voilà, après, tu me fais des choses. You must walk to church. Les choses, you don't see it as an opportunity that God
accuse you to overcome all of them, to tell them, you demon, I will fight you, I will take you to this man. God has already proclaimed it to me. Never give up. I will fight you. Et toi, tu vois que c'est witchy, ce sont les sorciers. Ils m'ont sorcellé. Alléluia. Alléluia. Change your mind. Change your mind. Alléluia. Alléluia. When you finish, change your mind and give the man. Quand nous terminons, change votre esprit, donnez l'argent. Et c'est tout que je il dit, elle a pris une autre chèque. L'homme qui c'est là. You must be aware with you. That's my way of reading. Portez-moi, ça c'est ma façon de ma manière de lire. Where for you to understand? Je vais lire les mots pour que vous puissiez comprendre. She loaned it. Elle a donné en mon nom prêt. She didn't give it free. Elle n'a pas donné cela gratuit. It means. Ça veut dire? You must not go and spend. Vous ne devez pas aller dépenser. Vous devez travailler, produire et repayer. Amen. Say amen. Tout à fait. $2,000. $2,000. And went down there and his wife and the beating. Il est mort de la bain off and they bought the house. Ils ont acheté une maison. And Brother Van Explanation just stopped. Et Brother Van Explanation peut juste m'arrêter là. Amen. Amen. But his way out, suppose you wish what I can. Mais ces mots sont bons, avec ces mots, je peux. Start now. Doing il a commencé déjà à traiter avec les propriétés des maisons. L'argent qu'il a mis, il a commencé à traiter des maisons. Rénover, c'est oui. Vendre. Ah. Il a payé. Et il a payé en retour. Parce que la femme, avant de donner l'argent, voulait voir un homme honnête. Un frère honnête. Toi tu es déshonnête. Ça réfère comme l'église. When you come with project. Quand tu viens avec un projet. Because when nobody has money, they are very spiritual. Parce que quand personne n'a la maison, c'est spirituel. Amen. And many when the Lord has money, they say. Et beaucoup quand ils n'ont pas la main, the things of the Lord. Ils n'ont pas besoin des choses du monde. Tu es menteur. We need money. Tu as besoin d'argent. Même moi j'ai besoin. Who does need money? Qui n'a pas besoin d'argent ici? The taxify is free. Pour prendre le taxify c'est gratuit. Amen. Amen. L'argent. Everything goes with money. Marche avec l'argent. But not the love of money, but you mais need it. Pas l'amour d'argent, mais vous avez besoin de cela. Some freedom. Pour avoir un peu de liberté. Amen. Amen. Hungry chicken, money. Vous voulez manger le poulet, l'argent. Hein. I know some sisters sometimes meet somebody. Je sais, c'est pour ça que j'ai rencontré quelqu'un qui disait toujours. Oui, we are spiritual. Nous, nous sommes spirituels. Don't we need the things of the world? Because on n'a pas besoin des choses du monde parce que. The husband was not having enough money. Le mari n'avait pas assez d'argent. So when you see some other people wearing nice. Quand il voyait d'autres personnes qui étaient nice, bien, c'est bon ça. They are very calm now. Et ils sont très charnels. C'est la jalousie. Ils sont très charnels. But what they got the money? Mais quand ils ont eu là, et ils sont pas une des mêmes filles charnelles. Et là, c'est la même chose charnelle. Alléluia. Alléluia. If you don't have it in your heart, you are not honest something. Parce que dans votre cœur, ne sont pas honnêtes quelquefois. You must be honest with yourself. Être honnête avec vous-même. So this brother was honest. Alors ce frère était honnête. I must stop. Je dois m'arrêter. He paid. Il a payé. He started doing that. Il a commencé à faire cela. He ended up multi-millionnaire. Il s'est multi-millionnaire. Can you believe next week the amount of time he was paying to campaign the brother? Je peux vous dire la semaine prochaine la quantité de dîmes qu'il payait dans les campagnes de Frère. He was not born with a silver spoon. Il n'était pas né avec une cuillère en or. Cutting concrete. Il coupait les pierres. But he changed his mind. Mais là, il a changé. He trusted God. Il a eu confiance en Dieu. He believed. Il a cru that when he gives to God, quand il donne à Dieu, amen, amen, God will repay it hundredfold. Dieu repayera. God is always faithful. Et Dieu est toujours fidèle. Let me tell you, God is always faithful. Dieu est toujours fidèle. God owes nobody. Dieu ne doit personne. Can you say amen? Dieu ne owes nobody. Ne doit personne. If you are honest enough, vous êtes honnête, assez honnête. While we are finishing this, pendant que nous allons terminer ceci, you bring that assurance thing. Tu amènes cette chose d'assurance. If you have those problems, enumerate. Mais si vous avez des problèmes, n'amenez pas. Allez. Fixe le problème, arrangez le problème.
Meet brother this, you said, I rencontré ce frère. I have robbed you, bro. J'étais volé, frère. Forgive me, I'll pay. Pardonne-moi, je vais payer. Fix everywhere. Arrangez partout. Amen. Amen. And then come to God. Et venez à Dieu. And don't come to God with plan, without plan. Et ne venez pas à Dieu sans plan. That is another problem here. I finish. Ça, c'est notre problème. Les gens disent que je vais passer plus loin d'avoir la vie. What you want to do? Je pose la question, que veux-tu faire? I just want to get money. Non, je veux juste avoir la vie. Comment est-ce possible? Brother Branham said everybody who has achieved something. Brother Branham dit que toute personne qui a accompli quelque chose should have a purpose. Devoir avoir un but. And a plan. Et un plan. Even God plan our life. Même Dieu a planifié nos vies. We are saved by a plan of return. Nous sommes sur le plan de la mort. Non, ça peut durer 4000 years. Il y a 4000 ans. Prophète. Until the Messiah comes. And then 2000 years. Of seven messengers. And then the seals are broken. Et then it's a plan. Alors, c'est le plan. 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 Pl